l'ensemble des coureurs et la préparation d'un éventuel sprint, ce sprint qui doit y avoir. Effectivement, et ce sont bien les couleurs de Metex Solarouat que l'on retrouve aux avant-postes avec Yann Frolet Junior. Et encore une fois aux avant-postes pour tirer, peut-être également on remonte. Ce sera point. Et avec également 6 points qu'il est allé chercher dans la Coupe d'Espagne. Les meilleurs coureurs de peloton ont évité la nervosité que l'on a ressentie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Médian à Saint-Quentin-Falavier, dont nous saluons, on va dire par contumace, hein, le maire Michel Baconnier, puisque je sais qu'il est, il est souffrant ce soir, mais c'est lui qui nous accueille avec son équipe municipale, que l'on remercie donc de cet accueil chaleureux. C'est un lieu qu'on connaît bien. Alors vous connaissez aussi celui qui est de l'autre côté, il est côté cour, je suis côté jardin, et oui, c'est mon côté amoureux des plantes. Lui, il préfère du côté de la cour. Voilà, c'est pour ça qu'il a tant de courtisans. Voilà, on va saluer notre ami Michel Baupe, s'il vous plaît, sous les applaudissements. Bonsoir. On va vous parler, comme chaque fois, de trois événements en un, en quelque sorte, avec l'Alpizer Tour, la Classique des Alpes, et Alpes-Grésivaudan Classique, trois épreuves que vous connaissez fort bien aussi, qu'on va détailler devant vous, les parcours, les équipes, on saura absolument tout ce qu'il faut savoir. Et puis, bah juste avant, Michel, je vais te rejoindre, parce que je sais que tu aimes bien la compagnie. Je te rejoins, et ça me fait faire du sport. Mon médecin m'a dit, il faut marcher. Eh bien, je vais marcher, vous vous rendez compte, j'ai fait 50, même pas 30, bon, allez, 20 mètres. Oh, par contre, je vais te donner ton conducteur. Ah oui, On l'a écrit en gros pour toi, oui, parce qu'on sait que ça commence à devenir urgent maintenant. Les années passent, hein, et donc forcément, il faut écrire de plus en plus gros. Au fur et à mesure que je maigris, on écrit de plus en plus gros. Ben oui, ça veut dire que quand on a les yeux plus gros que le ventre, voilà. Bref, allez, on s'assied. C'est le même prix, oui, merci. C'est le même prix assis que debout. Alors Michel, on va parler effectivement de cette soirée de présentation qui est toujours un moment important parce que d'abord il y a plein de bénévoles, il y a plein de partenaires, il y a plein d'élus qui sont là. C'est une grande fête aussi de lancement de cette épreuve. Et toi, quand on parle de ces trois épreuves, tu parles du défi alpin. Alors c'est quoi le défi alpin? Ah, t'as trouvé ça toi? Oui, ah oui, oui, effectivement, je parle de défi alpin. Bah, défi alpin, pourquoi? Défi. Vous en conviendrez que relever la gageure chaque année de trouver 1 million d'euros pour organiser un tel événement, je peux vous assurer que dans la période troublée qu'on vit aujourd'hui, c'est pas simple. Donc, heureusement, on a des partenaires fidèles, des collectivités qui nous suivent, qui sont à notre aide, des nouveaux partenaires qui nous rejoignent, des partenaires existants qui nous aident un peu plus, ce qui fait que on va être au rendez-vous au niveau des recettes. Mais alors, par contre, ce qui va pas, et vous le savez comme moi, c'est que le coût de la vie étant ce qu'il est aujourd'hui, les dépenses, elles ne sont pas au rendez-vous. Elles sont largement et largement surévaluées par rapport aux autres années. Ce qui fait qu'encore une fois, on va être sur le fil du rasoir. Et je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu usant. Voilà. C'est que, est-ce qu'on aura longtemps le courage d'être comme ça, toujours malmené? Il faut une bonne dose pour supporter la difficulté pour pouvoir être la au rendez-vous encore. Ouais. Voilà. La charge et les charges. Voilà. C'est pour ça que je parle de défi. Après alpin, pourquoi je parle alpin? Parce qu'effectivement, rien que les noms évocateurs de nos trois épreuves, avec Alpizer Tour, Classique des Alpes, et puis Alpes-Grésivaudan Classique, montrent bien que notre leitmotiv, c'est d'aller vers les massifs montagneux que la chance nous donne d'avoir dans notre région et dans notre fabuleux département de l'Isère. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on l'appelle le défi alpin dans notre giron et dans notre langage personnel et dans l'organisation. Alors après, voilà, c'est l'avantage qu'on a de ces parcours alpins, c'est que ça va nous donner la chance d'avoir des parcours qui sont intéressants. Mmh. Et vous allez voir que ce qu'on a concocté cette année, ça,
Aïe, 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 ça va piquer, comme on dit. Ouais, hein. Il y a un beau terrain de jeu avec, effectivement, une route qui s'élève souvent dans des sites magiques. Alors, le vrai trésor aussi, outre ce parcours, tous ces partenaires, c'est aussi cet incroyable engouement de bénévoles, parce que tu as plus de 350 bénévoles chaque année qui viennent là. Et ça, c'est une vraie armée. Hein, c'est l'armée de l'ombre sans laquelle tu pourrais rien faire, il faut être très clair. Ça, c'est évident. Ça, c'est notre chance et c'est notre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à réunir chaque année ces bénévoles-là, de les avoir avec nous, qui soient toujours le plus souvent avec un engouement incroyable, qui nous donne parfois d'ailleurs la capacité de rebondir, parce que si on ne les sentait pas derrière nous, je pense qu'on aurait baissé les bras depuis un petit moment. Mais c'est une chance, mais il faut la préserver, il faut la maintenir. C'est pour ça qu'on va faire beaucoup d'efforts cette année, qui vont se porter vers eux, parce qu'on est, sensible à leur engagement à nos côtés. Et grâce à l'engagement un peu plus précis de certains partenaires comme Eratec, comme les Balcons du Dauphiné, comme le département bien entendu, et puis également Groupama, on va être en mesure de leur faire fabriquer cette année des tenues bien particulières qu'on montrera tout à l'heure. Ah oui, on a deux mannequins d'enfer qui sont sur les côtés pour l'instant, ouais. Là, ils attendent leur tour avec impatience. Mais voilà, ça nous a permis de franchir un cap, d'être dans la logique de ce qu'on voulait, à savoir de faire travailler des entreprises iséroises sur des projets isérois, avec du tissu isérois, des couturières iséroises. Et tout ça, ça se fait dans un petit village qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc ça, c'est une fierté aussi. Bon, bah, c'est certes, ça a un coût supplémentaire, mais en tout cas, on est content dans cette conjoncture d'aller dans ce sens-là. Et on s'évertuera à faire perpétuer ces partenariats-là, parce que je crois que c'est important pour la suite. Alors, tous les élus jouent le jeu aussi, hein, ils font partie de ces partenaires. Il y a les partenaires privés, il y a les collectivités territoriales. Tu n'as pas trop de mal à les convaincre, hein, finalement, les élus. Ça prouve quand même que cette manif, elle s'est bien installée dans le territoire. Alors, du mal, je ne sais pas, mais en tout cas, on a affaire à des gens qui sont intelligents et qui sont. Ils ont les mêmes volontés que nous, c'est d'animer le territoire et faire en sorte que tout bouge et que tout avance. Et ils s'investissent beaucoup. Nous, on se plaignait du travail qu'on fait, mais en fait, on le fait aussi parce qu'on l'a choisi. Eux, c'est un peu pareil. C'est qu'ils ont la même volonté, c'était de s'investir au service des autres et au service des gens. Et ils le font tellement bien qu'on est obligé d'être ensuite au rendez-vous pour apporter un résultat qui soit à la hauteur de ce qu'ils attendent. Voilà, donc finalement, c'est gagnant-gagnant, comme on dit, selon un terme très à la mode. Alors, malheureusement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Je crois qu'on va dédier cette soirée donc, à deux bénévoles qui viennent de nous quitter, hein, donc, qui font partie justement de ceux qui ont tout donné. Oui, on soulignait l'importance des bénévoles pour notre organisation. Hein, on l'a valorisé. C'est 28 500 heures de bénévolat sur l'ensemble de la course, de ces preuves, donc c'est énorme. Et ben parmi eux, effectivement, il y a deux bénévoles qui, malheureusement, nous ont quittés juste après l'édition 2022. Deux Michel, donc je suis un peu inquiet, mais voilà, Michel Chevalier et puis Michel Montibert, deux figures qui étaient des gens, des personnes importantes dans notre organisation. Donc c'est pour ça qu'on veut leur dédier cette année les éditions 2023. Ils ne veulent pas qu'on soit triste, hein, ils n'auraient pas aimé. Hein, et c'était des gens qui aimaient la convivialité, donc on restera dans la même convivialité qui nous est chère. Mais en tout cas, voilà, il fallait leur faire un petit clin d'œil parce qu'ils le méritent. Et à travers eux, c'est tous les bénévoles que je veux saluer. Voilà, merci beaucoup. Ouais, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Merci, mon Michel. On a fait le tour à peu près de ce que tu voulais dire. J'ai rien oublié d'important. Tu n'oublies jamais rien. Oh, ça dépend. Voilà, ça dépend. Des fois, j'oublie l'heure. Mais bon, là, on va faire en sorte quand même de finir à peu près en temps et en heure parce qu'on sait très bien que vous avez faim à partir de 20h et qu'il est déjà 19h24. Voilà. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet, comme dit un boucher qui est en train de trancher une pièce de viande. Et on va découvrir tout de suite au niveau de l'Alpizère Tour, donc le partenaire titre majeur, donc avec la présentation du maillot jaune. Et donc le sponsor en titre de l'Alpizère Tour, et c'est évidemment le département de l'Isère. On va retrouver, si tu veux bien, tout de suite, mon cher Michel, le président Jean-Pierre Barbier, qu'on va retrouver en vidéo. Allez, c'est parti. On est très fiers d'être partenaire de l'Alpizère Tour. C'est une manifestation cycliste reconnue au niveau national, international, qui fait partie du calendrier. Ensuite, comme toujours avec le vélo, c'est un spectacle gratuit pour l'ensemble des Isérois. Et puis enfin, on peut compter sur Michel Baup et toutes ses équipes pour avoir un spectacle et une organisation de qualité. C'est pour ça qu'on est très heureux et qu'on est partenaire de cette belle manifestation. Le département soutient la pratique du vélo à plusieurs niveaux, bien évidemment en soutenant
des manifestations cyclistes, hein, comme le Tour de France, le Critérium du Dauphiné, le Tour de France quand il passe en Isère, bien sûr, les Échappées Belles, le Tour du Lac de Paladru, enfin bref, tout un tas de manifestations cyclistes que nous soutenons, parce que ça apporte du spectacle, parce que ça apporte de l'activité sur le département, et puis aussi parce que ce sont de très belles manifestations sportives. Et puis le département soutient bien sûr tout ce qui concerne le cyclisme par la création de pistes cyclables, et nous avons décidé sur ce mandat de doubler nos investissements dans ce domaine. Je suis très content que le vélo soit devenu électrique, parce que ça me permet de continuer sa pratique. Voilà, Jean-Pierre Barbier, le président donc, du conseil départemental 38 de l'Isère, qui est content que le vélo électrique soit arrivé. Mais évidemment, donc, il n'y aura pas de vélo électrique sur la course. Michel, tu me le promets, juré. Voilà, on va, après le maillot jaune du classement général, accueillir le maillot rouge, donc, qui est la propriété exclusive donc, d'Elifec et Urbisport, dont le président Patrick Amicucci nous rejoint sous les applaudissements. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors, le maillot rouge, c'est le maillot de la combativité. Et c'est vrai que tu es encore avec l'organisation cette année, parce que tu es combatif dans la vie. Tu l'es effectivement sur le plan économique, mais tu l'es aussi avec cette belle épreuve et ce maillot rouge, donc. Oui, effectivement. Elifec, partenaire du maillot de la combativité. Bon, c'est quelque chose qui nous ressemble. Il est clair que Elifec, et moi en particulier, je suis partenaire du Alpizère Tour et de sa naissance. Michel, je le connais depuis 30 ans. On a été au départ avec Commis, donc c'est Commis Échafaudage, et ensuite c'est Elifec qui a pris la main. Et aujourd'hui, on est heureux de continuer, et on a même abondé, hein, puisque bon, les choses augmentent, on a augmenté. Et il est... Oui, donc à suivre évidemment pour les autres partenaires, on l'a bien compris. Hein. Alors, faut pas que ça reste une exception, Patrick. Hein. Il est évident qu'Elifec, dans son activité, dans ses deux activités, l'activité de coordination sécurité, c'est messieurs les élus, on travaille à 70% pour le public. Alors les établissements privés nous donnent effectivement de l'activité, mais le public nous fait confiance. Et de ce côté-là, on redonne, hein, et parmi les opérations, que ce soit la piscine de la Capille et pour finir le téléphérique urbain de Grenoble. Donc au niveau des opérations, on est quand même présent sur le territoire. On est aussi présent sur le territoire avec l'activité de droit du travail européen. On assiste les entreprises étrangères, et oui, les fameux travailleurs détachés, mais les fameux travailleurs détachés, depuis maintenant un an et demi, on fait en sorte de les installer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a scellé la 14e société qui vient de s'installer sur la CAPI, qui a ouvert son établissement secondaire. Et aujourd'hui, ça représente 280 salariés étrangers qui travaillent en France et qui cotisent sur le territoire français. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, on a la petite dernière, qui est Urbisport. Urbisport s'est fait sa place dans le peloton professionnel. Effectivement, en assistant les coureurs étrangers dans les équipes françaises, mais aussi des coureurs français dans les équipes étrangères. Ouais. Et les étrangers, bien sûr, une grosse partie d'étrangers qui sont dans les équipes françaises. Donc, de ce côté-là, on est présent et Urbisport, fait son petit chemin en mettant en place une opération qui s'appelle UrbiConnect. Donc, on commence à prendre sur le territoire. On essaye d'amener le sport dans les entreprises et les associations sportives vers l'entreprise. Et dans quelques temps, on sortira certainement comme le ticket repas, on pourra sortir le ticket sport. Donc, voilà un petit peu les avancées du groupe. Et donc je confirme, on est un partenaire, on est fait pour essayer de durer. Donc voilà. Merci beaucoup, il est très content d'ailleurs Michel. Merci Patrick. Voilà Patrick Amicucci pour Elifec et Urbisport. Ouais, on salue l'arrivée de Michel Callot qui vient. Il a juste oublié de s'engager pour la durée, mais autrement c'est pas mal. Hein. Voilà, super.
Voilà, mesdames, messieurs, dans quelques instants, on va découvrir tous les maillots distinctifs, donc un par un et évidemment de manière collective. Alors le maillot jaune, donc du classement général avec le département de l'Isère, donc on l'a déjà vu, effectivement, on va le revoir dans quelques instants. Le maillot rouge, donc de la combativité avec Elifec et Urbisport. Le maillot vert du classement par points avec Kia, donc qui est aussi un partenaire fidèle, hein, mon cher Michel. Voilà, avec de belles voitures. Vous avez pu les voir devant. Ouais, elles sont magnifiques. Splendides. Sont ouais. Splendides, c'est vrai. En plus, évidemment, avec une notion environnementale qui a son importance aujourd'hui. Le maillot bleu, donc pour les sprints, c'est Monin Électricité Générale, un autre partenaire, non pas hystérique, mais historique. C'est bien ça. Voilà. Il y a également le maillot blanc du classement jeune avec Saphir Ganova. Et puis le maillot violet de meilleur grimpeur avec la CCI. Du Nord-Isère, donc voilà quels sont les maillots qui doivent apparaître logiquement, je suppose, comme je n'ai pas les yeux dans le dos. Oui, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas mal quand même. Hein. D'accord, c'est un peu dans le désordre. Oui. C'est pour ça que je ne gagne jamais au loto, alors. Bon, bah, il y avait un ordre d'écrit, mais je ne sais pas si tu l'as suivi. Enfin, en tout cas, on est content de voir qu'on a des partenaires, on a des maillots et que donc nos coureurs seront récompensés. Voilà, donc merci à tous ces partenaires maillots, évidemment. Donc je vous demande d'applaudir également, mesdames, messieurs, merci pour eux. Mon petit Michel, enfin mon petit Michel, comme je suis assis, toi t'es debout, mon grand Michel, pardon. On va parler maintenant des équipes, parce qu'il n'y a pas de cours. Ouais, rejoins-moi, allez, tiens, ça me donne l'impression d'être un peu feignant. Et même si c'est vrai, le fait remarquer devant tant de monde, c'est un peu gênant. Voilà, donc on va parler des équipes, parce qu'il n'y a pas d'épreuve sans partenaire, il n'y a pas d'épreuve sans bénévole, il n'y a pas d'épreuve non plus sans équipe. Et ça tombe bien, cette année encore, sacré plateau. On a réussi une prouesse, effectivement, c'est de réunir un plateau que peut-être jamais égalé jusque maintenant. On est dans le vrai de notre positionnement. Vous savez que nous sommes une épreuve internationale de classe 2. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose à beaucoup d'entre vous, mais c'est une épreuve qui est ce qu'on appelait les épreuves open auparavant. Donc, notre but à nous, c'est de faire découvrir le haut niveau à des coureurs professionnels, certes, mais qui partageraient en même temps avec les amateurs. C'est-à-dire qu'il y a un doux mélange de professionnels et d'amateurs qui sont au départ de notre épreuve. Et ça, c'est une vraie chance d'animation extraordinaire parce que forcément, les pros, ils veulent montrer qu'ici, ils sont pros, c'est qu'ils ont quand même un petit niveau d'avance. Et les amateurs veulent montrer qu'ils pourraient très bien être pros aussi parce qu'ils ne sont pas loin derrière. Et on appelle ça l'émulation. Absolument. Ça... Et donc, on est dans notre rôle, c'est notre fil rouge. Et donc, on s'y tient parce que je crois que il y a peu d'épreuves comme la nôtre qui font ce genre de développement du cyclisme. On y contribue et on est fiers de ça. La réussite aujourd'hui, c'est qu'on a toutes les équipes de développement des équipes World Tour qui sont au rendez-vous. On a, si je vous cite, on aura la liste. Hein. On aura la liste. Il y a la vidéo. Ouais. Bon, ben alors, parfait. C'est parti. On laisse faire nos amis de Black Hole qui nous ont préparé tout ça. Ils ont tout prévu. C'est quand même dommage qu'on leur spoil la découverte des équipes. Allez, c'est parti. Voilà, beau plateau, effectivement, international, avec aussi de belles équipes que tu évoquais il y a de cela quelques instants. Donc, ce mélange des gens entre les pros, les amateurs éclairés, donc, qui font toujours des courses qui pètent le feu. On va regarder maintenant le parcours, parce qu'il n'y a pas non plus d'épreuves sans parcours. Et là, effectivement, 5 étapes de grande qualité au programme de cette édition 2023 de cet Alpes Isère Tour. Et on va donc tout de suite regarder ce qui se passe sur la première étape, donc, qui va relier Charvieux-Chavagneux à Charvieux-Chavagneux, ça veut dire que c'est une boucle. J'ai tout compris ? Bravo.
C'est l'étape qu'on a baptisée l'étape des balcons du Dauphiné. Absolument, voilà, les balcons du Dauphiné. Alors on va évidemment donc regarder tout de suite une petite vidéo avant de découvrir le parcours donc de cette étape numéro 1 avec Gérard Desamptes, qui est le maire de Charvieux-Chavagneux, qui est la commune départ et la commune d'arrivée, qui va nous dire quelques mots. Ça se passe toujours sur l'écran derrière moi et devant vous, ça tombe bien. C'est pour ça que je vais me tourner aussi. 28 ans que nous sommes partenaires, 28 ans que nous faisons confiance à Michel Baupe. Et je crois qu'il faut rendre hommage à tous les bénévoles qui entourent Michel Baupe. Cette épreuve qu'il a lancée il y a une trentaine d'années est remarquable. Elle sait mettre en exergue toutes les valeurs de l'Isère. Et maintenant que l'ensemble de l'Isère est venu rejoindre le territoire du Nord-Isère, cela permet d'avoir une vision globale de ce si cher Dauphiné que nous aimons tant. Nous avons la chance d'avoir une équipe en National 1. Nous travaillons depuis des années et je ne manquerai pas de penser à l'ancien président Daniel Calabrin, qui a été président pendant 50 ans, 49 ans exactement, de ce club. Nous avons des champions de France, nous avons même un champion du monde et je salue Laurent Biondi puisqu'il nous accompagne et nous échangeons régulièrement avec lui. C'est vrai que c'est une tradition et ce sport cycliste mérite d'être soutenu tant il est vrai que ce sont des efforts remarquables et un véritable exemple pour notre jeunesse. Alors l'équipe participe à l'Alpizer Tour. C'est vrai que nous avons gagné avec David Panier l'Alpizer Tour une année. C'est vrai aussi que nous essayons de figurer. C'est une épreuve de très haut niveau et je crois que maintenant elle rayonne et c'est l'épreuve qui manquait au département de l'Isère. Le Nord-Isère a su la créer, le reste de l'Isère a su l'adopter. Merci pour le sport cycliste. Aujourd'hui, un rendez-vous est donné le 24 mai pour la première épreuve. Nous nous retrouverons à Charvieux-Chavagneux et bien sûr, ça permettra de lancer cette épreuve qui, comme à l'habitude, j'en suis convaincu, sera une réussite. Merci, cher Gérard Desamptes, donc le maire de Charvieux-Chavagneux. On va découvrir donc le parcours avec le commentaire de Philippe Antoine, hein, qui est le monsieur parcours. Hein, chaque fois, c'est vrai qu'il y passe des jours et des nuits parfois. Hein, mais bon, il réussit toujours à nous trouver des parcours d'enfer. C'est un très gros job parce que d'abord, il ne fait pas que ça. Il fait les parcours. Puis ensuite, il organise la sécurité autour de tout ça avec Jean-Yves Moiret. Donc, je peux vous assurer que tous les deux, ils font un boulot de dingue. Voilà, donc Philippe Antoine pour le parcours avec le petit commentaire. C'est parti. Première étape de plaine de cet Alpizer Tour sur une distance de 146 km au départ et à l'arrivée de Charvieux-Chavagneux à travers le plateau de l'île Crémieux et le territoire des Balcons du Dauphiné. Trois ascensions au programme situées près de la cité médiévale de Crémieux à l'étang de Rie au kilomètre 27, suivie de celle de Delemieux au kilomètre 80 et enfin de Saint-Chef-en-Dauphiné au kilomètre 98 au cœur du village célèbre pour l'acteur et doyen de la comédie française Louis Seignier, natif du hameau d'Arcis, mais aussi de Frédéric Dard, père de San Antonio qui y vécut. Entre-temps, nous ferons un crochet par le village de Brangue et son château où est enterré le romancier Paul Claudel. Elle se terminera traditionnellement par son circuit final de 4 km dans les rues de Charvieux-Chavagneux à parcourir à 3 reprises. Une étape donc très dynamique. Une étape dynamique donc Charvieux-Chavagneux, 146 km, pas de grosses difficultés, ça va bouger évidemment, ça va aller vite et très bien. Donc dans cette étape intitulée Les Balcons du Dauphiné, dont la Comcom est présidée par Jean-Yves Brognier qui a quelques mots à vous dire. Il y aura des primes d'ailleurs à l'occasion hein, de quelques passages, c'est ça en fait l'innovation aussi cette année. C'est pas une innovation parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière grâce à leur aide. Ils sont effectivement souhaité nous rejoindre dans le partenariat et apporter leur obol pour qu'on puisse aussi continuer d'organiser la course. Et leur aide est importante, évidemment, pour la réussite de l'événement. Donc, ces primes-là vont certes aux coureurs, mais ils ont fait une action que vous verrez, que vous allez découvrir un petit peu plus tard et que j'ai un peu dévoilé tout à l'heure, à savoir qu'ils vont aider donc, à la création des maillots des bénévoles. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi dans la réussite de l'événement. Voilà, donc la Comcom des Balcons du Dauphiné, on écoute le président Jean-Yves Brognier, c'est parti. Les Balcons du Dauphiné, c'est une intercommunalité de 47 communes et d'environ 80 000 habitants.
Les élus ont décidé de travailler à un projet de territoire ambitieux et à la définition de politiques publiques assumées. La mise en valeur et le développement des Balkans du Dauphiné passent aussi par le soutien aux événements d'envergure qui assurent une promotion au-delà de nos limites territoriales avec l'appui fort des services de l'intercommunalité. Dès le début de la mandature 2020, nous avons fait le choix de nous rapprocher de Michel Bopp pour définir un partenariat avec l'Alpes-Isère Tours. En effet, nous avons pu constater que la première étape traversait majoritairement les communes des Balkans du Dauphiné, c'était donc une évidence. Des plaines, des talus, des côtes, les participants entameront cette course avec une proposition de tracé variée. Cette année d'ailleurs, et sans trahir l'organisation, pas moins de 17 communes du territoire seront traversées sur une centaine de kilomètres. Dans le cadre de l'événement, nous renforçons notre partenariat en mobilisant l'Office de tourisme intercommunal. Des lots et des offres packagées seront proposés lors de la tombola organisée à cet effet. Une belle manière pour l'ensemble des participants de découvrir ce bout de Nord-Isère. Et puis les Balkans du Dauphiné ont obtenu le label Terre de Jeux 2024, une opportunité de créer ensemble une histoire collective autour du sport, coordonnant des projets publics et privés, comme la réhabilitation d'une rivière naturelle pour les équipes de kayakistes. Nous avons à cœur de mettre à l'honneur le sport et toutes ses valeurs, et placer par ailleurs le vélo et ses usages au cœur de nos politiques publiques, qu'elles soient économiques, de mobilité ou touristiques. Nous croyons en la dynamique que peut générer l'Alpes-Isère Tour et nous tenons dès à présent à féliciter tous les bénévoles qui s'impliquent pour que cette course soit une fête au-delà de l'effort fourni par les coureurs. Merci pour cette mise en lumière, merci l'Alpes-Isère Tour et très belle édition 2023 et à très bientôt au Balcon du Dauphiné. Et merci à Jean-Yves Brenier, donc l'on peut effectivement applaudir. La Comcom, donc les Balkans du Dauphiné, étape numéro 2, c'est évidemment le lendemain. Hein, donc, tu vois, si je suis toujours bien, ce sera le 25 mai, si j'ai bien tout compris. Tu vois, c'est fou, hein, encore une fois. Eh bien, voilà. Eh bien, tu es fier de moi, tant mieux. Je suis ravi, toi qui es mon mentor et non pas mon menteur. On va aller de Saint-André-le-Gaz à Four. On va tout de suite retrouver, donc, avant le parcours commenté par Philippe-Antoine, ce sera le cas pour les 5 étapes en tout, en direction de Magali Guillot, maire de Saint-André-le-Gaz, qui, elle aussi, a plein de choses à vous dire sur le plaisir qu'elle a d'accueillir cette deuxième étape, le départ, donc. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à Saint-André-le-Gaz, donc commune départ. Départ d'une course le 25 mai, une commune de près de 3000 habitants où il y a de nombreuses associations, près de 40, des entreprises, et notre gare fait la notoriété de notre village. Heureuse avec l'ensemble des habitants et puis des passionnés sur notre commune de cyclisme, donc d'accueillir ce départ de la course Alpes-Isère Tour. Merci beaucoup à Michel Beau qui est fondateur, si je peux me permettre, de cette course et qui du coup et c'est une course qui rayonne, bien entendu, le département de l'Isère, mais bien plus. Je suis admirative de tous ces sportifs, pour moi des sportifs de grand niveau, peut-être pas de notoriété suffisante, parce que j'ai eu le plaisir de vivre pleinement une course en accompagnant il y a 2 ans et l'année dernière, une course dans une voiture qui a suivi la course, l'étape tout au long d'une journée. En tout cas, soyons fiers parce qu'on a tous l'impression que faire du vélo, c'est facile. On apprend à faire du vélo tout petit, apparemment, ça ne se perd jamais. Mais faire du vélo en professionnel, parce que pour moi, malgré tout, ce sont des professionnels, c'est admirable. Ils vont à une vitesse inestimable, presque en montée. Enfin, pour moi, j'ai été bluffée. Félicitations aux cyclistes. Bien entendu, parce que c'est inimaginable le dépassement de soi qu'ils effectuent lors de ces courses. Merci aux nombreux bénévoles, parce que tout cet environnement, ces journées passionnantes, abordables pour tous, parce que du coup, ce sont des familles qui viennent regarder ces cyclistes passer, donc du plus jeune au plus grand, des petits-enfants, grands-parents, aux parents. Merci aussi à l'ensemble des professeurs des écoles, les élèves de la commune de Saint-André-le-Gaz. Cette course permet aussi un lien entre nous tous, de toute génération, un lien qui fait qu'il y a un programme pédagogique cette année sur l'école de Saint-André-le-Gaz, en lien avec le cyclisme ou le vélo, l'histoire du vélo. Donc vous pourrez tous constater le jour du départ de la course une grande banderole avec l'ensemble des dessins réalisés par les enfants des écoles, mais aussi lors de notre exposition des talents, où il y aura toute une place consacrée, toute une salle, pardon, consacrée au vélo et au dessin des enfants, mais pas que. Fière d'accueillir ce départ à Saint-André-le-Gaz, tout gaz, donc heureuse que
cette course du 25 mai par de Saint-Andrégaz. Merci Magali Guillot. C'est vrai que permettre à la population et aux jeunes de s'approprier le vélo, c'est évidemment l'un des objectifs aussi des organisateurs. C'est marrant de faire Saint-André-le-Gaz et le Four, parce que c'est vrai que je trouve que Four et Gaz, ça va bien ensemble, franchement. Hein, tu ne l'aurais pas fait, j'aurais été déçu. Bah oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Ceci dit, ça promet un très joli temps, parce qu'en général, s'il y a un temps effectivement de Four, il va faire très chaud, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, mais l'étape va être chaude, parce que vu ce que Philippe nous a préparé, d'accord, je pense que le parcours va être assez sympa et ça va être chaud pour eux. Alors juste avant, on va écouter Bernard Badin, qui est le président de la Comcom des Vals du Dauphiné, dont fait partie cette commune de Saint-André-le-Gaz. On l'écoute lui aussi nous parler du départ. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Badin, nouvellement élu président de la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Je pense que cette élection incarne la volonté des élus de nos territoires de passer à une nouvelle dynamique de développement, une nouvelle ambition, un nouvel élan. Et je suis convaincu et fier que ce partenariat avec Alpizer Tour incarne cette ambition. En effet, je suis moi-même un sportif d'un bon niveau, ayant pratiqué des sports individuels et collectifs, tels que le rugby, le hand, l'athlétisme ou les sports de montagne. Je suis convaincu des valeurs que peuvent porter le sport, et notamment l'esprit d'équipe, le courage, la rigueur, l'ambition, l'éthique, la volonté. Et toutes ces valeurs me semblent incarner le projet politique que nous souhaitons porter pour notre collectivité. Alors ce partenariat avec Alpizer Tour fait aussi du sens parce qu'il nous permet de valoriser les atouts de nos territoires et notamment son environnement paysager, son environnement naturel, sa dynamique économique. Cette course sur notre territoire permet aussi d'être en cohérence avec les projets que nous souhaitons développer et notamment nous souhaitons être un territoire engagé en faveur des mobilités douces, engagé en faveur de la décarbonation des transports. Et donc, il y a une parfaite cohérence avec l'image qui est portée par Alpizer Tour. Enfin, je souhaiterais remercier Michel Baupe pour son engagement, mais aussi toutes les équipes de l'organisation de Alpizer Tour, qui permettent encore une fois de valoriser les atouts de nos territoires, mais qui permettent aussi de révéler les sportifs et les champions cyclistes de demain. Bonne course à tous. Merci à Bernard Badin, président de la Comcom des Vals du Dauphiné. Sacré sportif, hein, dis donc, il a fait plein de choses, Bernard Badin. C'est bien qu'il ait accueilli effectivement aussi dans sa Comcom le départ donc, de cette deuxième étape. Alors on va regarder tout de suite le parcours, toujours commenté par notre ami Philippe Antoine, donc l'homme qui fait les parcours et qui fait souffrir les coureurs. Mais il adore ça. Allez, on y va. L'étape qui suivra est dite accidentée sur 145 km au départ de Saint-André-le-Gaz et serpentera parmi les collines des Vals du Dauphiné avant de rejoindre le territoire de la Capie. Quatre côtes sont répertoriées successivement au kilomètre 32 à Paladru, au-dessus de son lac, puis le terrible mur de Blandin au kilomètre 48 à reconnaître impérativement avec des passages à près de 20%. Suivra ensuite la côte du Rapou par Sucieux au kilomètre 75 et enfin celle des Épars au kilomètre 96. Elle se terminera à Four par un circuit de 10 km à parcourir à deux reprises. Une étape piégeuse pour routier sprinter où le peloton devrait se morceler. Voilà, deuxième étape donc qui arrivera à Four. On va retrouver tout de suite donc le président de la Comcom Capi et maire de Four, donc qui est à la ville d'arrivée, Jean Papadopoulo, qui lui aussi va nous faire part de toute sa satisfaction d'accueillir cette arrivée de belle deuxième étape, vous l'avez compris. Alors on soutient cette nouvelle édition de la Alpizer Tour parce que d'abord la Capi, on aime le sport. Première remarque. Deuxième chose, c'est une magnifique vitrine sur tout le Nord-Isère. Et puis troisième chose, c'est le sérieux des organisateurs qui font qu'on peut vraiment s'appuyer dessus. L'arrivée d'une telle course dans une toute petite commune comme la mienne fait que c'est un événement majeur et que donc au niveau de la commune, il y a des animations qui sont prévues et d'autres choses que simplement l'arrivée de la course. Il est prévu qu'avec les enfants de l'école, les plus grands, pas les petites maternelles, les enfants de l'école fassent une partie du circuit et repassent donc devant la ligne d'arrivée et auront ensuite eux aussi leur trophée et leur prix à l'arrivée.
Alors personnellement, je n'ai pas d'anecdote à vélo parce que je ne fais pas beaucoup de vélo. Par contre, j'ai les souvenirs de petit d'avoir vu le Tour de France et d'être au bord des routes et avoir vu passer tous ces cyclistes. Et c'est avec le même engouement en fait qu'on voit passer, donc là ce sont des plus jeunes qu'au Tour de France, mais cet effort qu'ils fournissent et puis quand on les voit à l'arrivée, cette satisfaction de à la fois de l'effort accompli et puis d'avoir gagné l'étape bien sûr si c'est le cas, c'est vraiment magnifique. Ben, c'est féliciter Michel Bopp et ses équipes parce que c'est une organisation qui est rodée comme une montre suisse. Et on s'aperçoit vraiment du professionnalisme de toutes ces personnes qui s'occupent de cela. On est vraiment très heureux de travailler avec eux et de les soutenir. Un bel hommage de Jean Papadopoulos, donc président de la CAPI et maire de Four. Voilà, c'est donc la deuxième étape, Saint-André-le-Gaz-Four. On va passer maintenant au 26 mai avec la troisième étape. Donc, Comme de l'Est lyonnais, aéroport Saint-Exupéry en direction de Colombier-Saunieu. Et avant de retrouver le parcours, eh bien on va écouter Paul Vidal, président de la communauté de communes de l'Est lyonnais, donc pour parler justement de ce départ. Bonjour. L'Alpizère Tour et la communauté de communes de l'Est lyonnais, c'est déjà une vieille histoire, mais une très belle histoire. Je remercie Michel et toutes ses équipes pour cette organisation exceptionnelle qui permet de montrer à tous nos concitoyens ce qu'est le cyclisme et qui, d'année après année, attire de plus en plus de monde sur les routes de notre communauté de communes. Vous me demandez si j'ai un très bon souvenir de l'Alpizère Tour. En effet, j'en citerai qu'un, malgré que j'en ai plusieurs, c'est que Toussieu, ma commune, a été la première commune du Rhône à accueillir le Rhône-Alpizère Tour à l'époque, auquel j'étais très attaché, et la communauté de communes, désormais, a pris le relais et reste encore la seule collectivité du Rhône à aider une course qui s'appelle désormais Alpizère Tour, que je ne conteste plus, et qui est une parfaite réussite, et c'est pourquoi jusqu'en 2026, nous serons vos partenaires. Vous me demandez pourquoi cet engouement pour le cyclisme. J'ai participé 5 fois à Lyon-Mont-Blanc, 1 fois la Marmotte et 2 fois Saint-Étienne-le-Sommier-du-Puy-de-Dôme. J'ai une période cyclotouriste intense où je me suis vraiment amusé à faire du vélo sur les routes de notre très belle région qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Michel, merci à toutes les personnes et tous les bénévoles qui travaillent dans cette magnifique organisation qu'est l'Alpizère Tour. Merci à Paul Vidal, le plus isérois de tous les Rhodaniens, parce qu'effectivement, commune du Rhône certes, mais très impliqué dans cette Alpizère Tour, qui partira donc la troisième étape de l'aéroport Saint-Exupéry. C'est une bonne idée, hein, on va s'envoler en direction donc, de Colombier-Saunieu, mais on va en savoir un peu plus avec le parcours présenté encore et toujours par l'inestimable, l'inénarrable, l'irremplaçable Philippe-Antoine. Et c'est reparti. De cette Alpizère Tour sera une nouvelle fois une étape de plaine de 170 km constituée d'une boucle de 85 km à effectuer 2 fois, tracée essentiellement sur le territoire de la communauté de communes de l'Est lyonnais qui nous recevra ce jour-là. Elle prendra son élan depuis l'enceinte de l'aéroport Saint-Exupéry au siège de la communauté de communes et comportera une côte située au kilomètre 15 d'une part ainsi qu'au kilomètre 100, nouveau passage, sur la commune de Grenay, suivi du passage au col de Bel-Air, donc au kilomètre 41 et une nouvelle fois au kilomètre 126, situé à la limite des départements du Rhône et de l'Isère. Et cette étape se terminera ensuite au village de Colombier-Saunieu, à proximité de l'aéroport. Une étape sans difficulté qui devrait permettre d'assister à un sprint massif dans cette localité. Grosse difficulté donc pour ce parcours de 146 km environ, deux boucles effectivement. Donc c'est une bonne occasion aussi d'honorer un lieu important, hein, l'aéroport. Donc c'est quand même pas rien effectivement Saint-Exupéry. Puis cette petite commune de Colombier-Saunieu, enfin petite, pas si petite que ça, dont le maire Pierre Marmonnier va nous dire lui aussi combien il est satisfait d'accueillir l'arrivée de cette étape numéro 3.
Nous avons bien sûr grande confiance en l'organisation de l'Alpes Isère Tour, puisque c'est une longue histoire vis-à-vis de la communauté de communes de l'Est Lyonnais, puisque au tout départ, ce sont trois communes, Toussieux, Genosse et Colombey-Saunieu, qui accueillaient individuellement cet Alpes Isère Tour, qui était à l'époque le Rhône-Alpes Isère Tour. Le souvenir que j'ai de l'Alpes Isère Tour, c'est la première fois qu'on a pu l'avoir sur notre commune, et où j'ai été surpris de cette organisation digne du Tour de France, et qui était vraiment extraordinaire pour nous. On n'en est pas revenu, en fin de compte, pas grand-chose à faire au niveau technique, tout était organisé, fait, et le jour de la course, une grande fête organisée. Un souvenir lié au cyclisme, je vais d'abord attaquer par vous dire que j'ai la chance d'être le parrain d'une championne du monde de ski qui s'appelle Marion Roland. Et Marion Roland a comme grand-père Antonin Roland, qui se trouve être un fabuleux cycliste des années 50, puisqu'il faisait partie de l'équipe de Louison Bobet, de l'équipe de France. Il a fait plusieurs Tours de France, il a gagné des maillots jaunes, il a gagné des étapes. Vraiment, ça a été quelqu'un de très, très grand. J'ai pu découvrir un peu le cyclisme, et surtout découvrir le cyclisme des années 50. Et je mesure maintenant l'évolution qu'il y a eu entre les années 50 et aujourd'hui avec l'Alpes Isère Tour. Quand je vois cette organisation et vraiment tout ce qu'on fait maintenant au niveau technique. Cette année, on va essayer de... Enfin, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on a un peu la décision de faire l'arrivée de l'étape devant les écoles, avant la sortie des classes, de façon à pouvoir faire intervenir tous les gosses des écoles au moment de cette arrivée. J'espère aussi, peut-être qu'on invitera Antonin Roland, qui fêtera bientôt ses 99 ans. Alors, cette étape qui se passe sur la communauté de communes de l'Est Lyonnais, alors cette année, bien sûr, on a la chance, nous, d'avoir le siège de la communauté de communes sur la commune, donc il va partir de la commune et arriver dans la commune. C'est une étape pour nous très importante, déjà parce que la marque de territoire de la CCEL, c'est territoire d'envol. Alors, bien sûr que si la personne qui gagnera cette année à Colombey-Saunieu peut s'envoler à la victoire finale, pour nous, ça serait que du bonheur. J'aimerais quand même remercier, bien sûr, les Michel, je dirais, Michel Baup, c'est le grand organisateur, mais aussi Michel Fayet. On a vraiment, tous les trois, là, pas mal d'amitié entre nous. Et merci de venir chez nous, merci de cette organisation que vous faites et qui est vraiment sans faille. Merci beaucoup à Pierre Marmonnier, le maire donc de Colombier-Saunieu, qui évoquait effectivement Antonin Roland. Ouais. Bientôt un siècle quand même, hein, c'est pas rien. Et puis Marion, sa petite fille, qui est une grande et belle championne de ski, effectivement, c'est une famille dans laquelle les chromosomes jouent un rôle plein et entier. On va évoquer donc maintenant l'étape suivante qui va relier Monstérou-Milieu à Saint-Maurice-l'Exil. Dans quelques instants, vous découvrirez le parcours, mais juste avant, eh bien, c'est Denis Merlin, maire de Monstérou-Milieu, qui est la commune de départ, qui va s'adresser à vous. Bonjour, bienvenue dans notre village de Monstérou-Milieu. Nous sommes une petite commune au milieu de la vallée d'Alvarez avec 815 habitants organisés en hameaux un petit peu dispersés à droite et à gauche de l'Alvarez. Nous avons comme équipement une école communale, nous avons une école intercommunale pour la maternelle et une église du XIIe siècle qui est classée. Sur le plan sportif, nous avons un gymnase qui accueille à peu près tous les joueurs de basket de la vallée et peut-être un petit peu au-delà. Il y a aussi du volley et du futsal. Nous avons aussi un terrain de foot qui, lui, est occupé par le football club de la Varèse en intercommunalité avec Courébuis. Nous sommes très heureux d'accueillir cette course d'Alpes Isère Tour pour le 27 mai et nous espérons que cette journée sera très très festive et qu'elle nous laissera un aussi bon souvenir que le passage du Tour de France en 2014. Nous mettrons tout en œuvre pour cela. Voilà, Denis Merlin, l'enchanteur maire de Monstérou-Milieu, donc commune départ de cette quatrième étape qui arrivera à Saint-Maurice-l'Exil donc quelques heures après. Et on va tout de suite regarder justement le parcours de cette étape numéro 4 du 27 mai prochain. Quatrième étape est quant à elle très accidentée sur une distance de 180 km où nous serons accueillis par la communauté de communes entre Bièvre et Rhône.
Elle débutera à Montsereau-Milieu pour prendre la direction des Chambarans pour une première côte au kilomètre 30, suivie cette fois d'une redoutable ascension dans le massif du Vercors par le col du Petit Mont Noir au kilomètre 75 en première catégorie et ses 13 km à 7,5% de moyenne. Ce col aura la particularité de remonter les gorges du Nan avant de traverser un haut lieu de la résistance qui est le village de Malval où de nombreux maquisards ont péri en janvier 1944. Le retour s'effectuera via Saint-Antoine et sa magnifique abbaye avant d'atteindre le col de la Madeleine au kilomètre 112 en Isère. Effectivement, c'est plus facile qu'en Savoie et sillonné à travers la Drôme des collines avec au menu la côte de Miribel au kilomètre 121, puis celle d'Autrive au kilomètre 136 et son célèbre facteur cheval, avant un retour en Isère et une nouvelle escalade de la côte du Carrefour de l'Arbre à Anjou au kilomètre 154, pour plonger enfin sur la vallée du Rhône et Saint-Maurice-l'Exil, terme de ce périple où un circuit de 10 km attendra les coureurs. Étape difficile au demeurant, d'un peu plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Eh ouais, dis donc, 180 bornes, rien d'une sinécure, hein, comme nous l'a confirmé notre ami Philippe Antoine, le polo la science un peu de l'Alpes-Isère Tour, qui nous parle aussi un peu d'histoire, il a bien raison. On va tout de suite retrouver donc le maire de Saint-Maurice-l'Exil, Philippe Gentil, qui lui aussi a tenu à s'exprimer devant vous pour rappeler que sa commune, évidemment, était pleinement impliquée d'ores et déjà dans ce 27 mai prochain. Oui, l'histoire avec l'Alpes-Isère Tour, je dirais plus avec Michel Baupe, son organisateur, remonte à plusieurs dizaines d'années, donc et date de mon prédécesseur à la mairie qui était Francis Charvet. J'ai repris derrière bien volontiers la suite sur l'accueil, soit d'une arrivée, soit d'un départ, soit des deux il y a quelques années, et puis maintenant dans le cadre d'une convention sur 6 ans, alternativement avec la communauté de communes, on accueille à la fois une arrivée et un départ. Puis Saint-Maurice est une ville sportive à la fois en sport collectif, que ce soit le hand, le foot, mais aussi en sport plus individuel, comme la danse, comme le rock. Le cyclisme en tant que tel n'est pas pratiqué par une association samaritaine, mais on accueille à Saint-Maurice des épreuves cyclistes sur une journée avec des associations de villes voisines. Et l'Alpes-Isère Tour vient compléter cette proposition par une épreuve très professionnelle, complémentaire, avec effectivement professionnel aussi bien par les pratiquants, par les sportifs, que par l'organisation qui amène un vrai spectacle à disposition des Samoritains et les habitants. Du fait de cette épreuve, permettent d'avoir une proximité avec les sportifs de haut niveau, mais également de proximité avec une épreuve, une manifestation, avec une organisation très professionnelle. Et ça, c'est un plus pour la collectivité. Et maintenant, au mois de mai, les habitants de Saint-Maurice savent que l'Alpes-Isère Tour fait une étape référente à Saint-Maurice-l'Exil. Je suis heureux que l'Alpes-Isère Tour ait franchi l'étape du Covid et perdure après cette période très difficile, avec une évolution significative avec l'entrée du conseil départemental au sein de cette épreuve, avec une étape, l'étape finale grandiose au niveau de l'Isère, une étape de montagne, ce qui clôt bien la diversité des épreuves, des étapes qui sont proposées par l'Alpes-Isère Tour. Et encore une fois, je veux féliciter les organisateurs, les bénévoles, pour leur professionnalisme et la qualité de l'épreuve, de la manifestation qu'ils proposent à des petites communes, parce que Saint-Maurice est une petite commune, 6500 habitants, et ça leur permet aux habitants d'approcher une épreuve professionnelle avec de la qualité et de la proximité. Donc voilà, merci à l'ensemble des organisateurs. Eh bien, merci beaucoup à Philippe Gentil, le maire de Saint-Maurice-l'Exil. On trouve de tout chez les Saint-Mauritaines. Hein, voilà, tu sais, c'est une vieille maxime qui disait ça, mais c'est vrai, on trouve beaucoup de convivialité, de gentillesse. Et donc, une ville également très sportive. On va retrouver la présidente maintenant de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, dont fait partie cette commune de Saint-Maurice-l'Exil. Donc, il s'agit de Sylvie Desarnaud qui va s'exprimer maintenant devant vous.
Eh bien, nous y voilà pour cette 32e édition de l'Alpisère Tour. Très heureuse de vous retrouver. Un beau partenariat que nous avons avec l'Alpisère Tour et la commune de Saint-Maurice-d'Exil. Un petit coucou à Philippe Gentil. Donc, cette année, nous serons donc le 27 mai, tous à l'écoute et sur les bords des routes pour saluer ce bel événement sportif. Au départ de Monstereau-Milieu, une arrivée à Saint-Maurice-Exil, une 4e étape avec encore un très très beau parcours concocté par les équipes de Michel Baupe, 180 km, 13 communes de notre intercommunalité traversées, encore un beau moment sportif d'encouragement et de solidarité. Donc, soyez au bord des routes, soyez là pour encourager tous ces sportifs de haut niveau. Encore quelques jours festifs autour du cyclisme reconnu sur notre département. Alors, un petit clin d'œil, moi qui suis une cycliste du week-end, de balade, nous avons ici sur notre belle interco des plaines et collines, mais également un joli morceau de Via Rhôna qui fait la joie des petits et des grands. Très belle 32e édition à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup Sylvie Desarnaud, Madame la Présidente de la Comcom entre Bièvre et Rhône. Et enfin, on va entamer maintenant donc le final de cet Alpisère Tour 32e édition. Édition de mai 2023 avec la 5e et dernière étape, donc Saint-Thibaud-de-Coux, Saint-Pierre de Chartreuse. On va regarder tout de suite quelques images avant de retrouver évidemment le parcours. Donc, ces images sont consacrées à l'expression de Monsieur le maire, de Saint-Thibaud-de-Coux. C'est Denis Blanquet qu'on va écouter tout de suite. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à l'Alpisère Tour. On est très heureux au niveau du village d'accueillir un événement aussi important. Je dois remercier la communauté de communes du Cœur de Chartreuse qui, par une convention avec Alpisère Tour, a permis d'accueillir cette épreuve dans nos villages. Nous accueillerons à Saint-Thibaud le départ de la dernière étape qui partira donc du village le dimanche le 28 mai. On est très heureux de voir cette épreuve, une épreuve aussi importante. Partir du village, c'est vrai que c'est relativement rare d'avoir des épreuves comme ça. On a bien eu le passage du Tour de France il y a 2 ans, mais bon, c'est quand même des opérations qui sont rarissimes. Pour nous, c'est une occasion de rassembler un peu les gens du village et qui viendront voir comment est organisée l'épreuve, comment voir les coureurs. Au niveau du village lui-même, bon, on est tout près de Chambéry, donc c'est un village qui essaie de s'animer sans devenir un village dortoir. Donc on a des commerces, on a une école, qui font que il y a une vraie vie au village. On essaie de maintenir aussi une école de qualité qui est un lien social important au niveau du village. Où les gens se connaissent, les gens commencent à se connaître au moment où ils amènent leurs enfants à l'école. Donc pour nous, c'est important de maintenir cette école, ces commerces, et une animation au village. À titre personnel, ça va me rappeler des souvenirs cyclistes, puisque je travaillais à l'Agence nationale des fréquences et j'ai participé pendant une quinzaine d'années à la gestion des fréquences sur le Tour de France. Et on était basé à chaque arrivée d'étape, de toutes les étapes concernant Rhône-Alpes, dans le périmètre technique de l'arrivée des étapes. Donc c'est quelque chose que je connais un petit peu, donc ça me rappellera des souvenirs. Bien sûr, je souhaite donc la bienvenue à l'Alpisère Tour. On fera tous les efforts possibles pour que ça se passe dans des bonnes conditions. C'est vrai qu'on n'a pas une place immense, mais on a déjà vu que c'était possible, que ça se déroulerait sur le parking des écoles, que le podium sera à côté de la mairie. Tout est prévu, on devrait pouvoir, en utilisant toutes les places disponibles, faire un très bon accueil à l'Alpisère Tour. Voilà, Denis Blanquet, le maire de Saint-Thibaud-de-Coux, qui a bien vendu sa commune, hein, voilà, qui n'est pas une cité dortoir, on l'a bien compris, des commerces, une belle école, plein de choses, évidemment, c'est sympa. On l'a compris aussi, cette commune fait partie de la communauté de communes Cœur de Chartreuse, dont la présidente Anne L'Enfant va nous dire, elle aussi, quelques mots à son tour. Bonjour Mathéo. Bonjour.
On est ici au col du Cucheron, sur la commune à cheval entre Saint-Pierre-d'Entremont et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ce col qui sera parcouru par les cyclistes de l'Alpe-Isère Tour cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, qui est un col discret, qui s'ouvre sur un paysage magnifique, sur la vallée des Entremonts, les hauts plateaux de Chartreuse et le col du Granier que nous voyons là-bas au fond. Il avait déjà été parcouru l'année passée par l'Alpe-Isère Tour et de nouveau cette année, puisque c'est un col intéressant qui permet de rebasculer sur Chambéry ou sur Chaparéan. Le col du Cucheron, quant à lui, est aussi un col qui peut être destiné aux sportifs, mais qui peut être très très bien adapté aux familles ou aux sportifs un petit peu moins aguerris. Le col du Cucheron, comme le col du Granier, on les avait parcourus l'année dernière lors de la dernière étape de l'Alpe-Isère Tour. Ça avait roulé vite pour prendre l'échappée. Ça m'a rappelé des bons souvenirs parce que c'est mes routes d'entraînement depuis que je suis jeune et ça passe juste devant ma maison. L'année passée, c'était un beau parcours, mais cette année aussi, c'est encore un très beau parcours qui va permettre aux montagnards de se différencier, parce que c'est un parcours très, très physique, hein, encore avec ce col du Cucheron, le col du Granier, mais d'autres cols aussi, qui va permettre de découvrir la Chartreuse par ses flancs, aussi bien est que ouest, et par son cœur. La communauté de communes Cœur de Chartreuse, donc, qui accueille cette cinquième étape et qui en est très fière et très heureuse, souhaite offrir du vélo à 360 degrés. Et développe toujours des projets qui concernent en particulier la mobilité à destination des plus précaires aussi en termes de mobilité par la mise en place d'un dispositif qu'on appelle vélo solidaire. On a aussi un axe sur le vélo avec les scolaires, le défi vélo qui permet à des scolaires de se rendre en vélo sur un temps donné en fait de leur domicile à l'école. C'est très important de développer le vélo auprès des jeunes et de tout le monde parce qu'on connaît les risques de la route avec les voitures et les usagers de la route, donc c'est important de sensibiliser tout le monde. Moi j'ai parlé de mon souvenir, mais je sais pas toi si tu as un souvenir en particulier de la Chartreuse à vélo. Moi, je vais te faire part de mon ressenti en tant que passagère dans la voiture du directeur de course sur la descente du col de Coq, qui était assez particulière, 90 à l'heure dans les virages. J'avoue que j'étais un petit peu scotchée au siège, mais c'était très très intéressant et en tout cas, c'est une expérience à vivre. Et merci aux cyclistes parce que vous nous offrez un beau spectacle à travers la Chartreuse pour cette cinquième étape. Magnifique. Et bon courage à vous tous parce que vraiment, ce sera une étape difficile. Oui, il en faut. Voilà, Mathéo Allard et Anne L'Enfant donc pour la Comcom Cœur de Chartreuse. Moi, j'ai des souvenirs de Chartreuse, Chartreuse verte en fin de repas, c'est bien aussi. La BEP, ah, oui. Surtout. Ah. Oh là là, la descente. La jaune est pas mal non plus. Oui, je sais, la descente de la Chartreuse verte ou de la Chartreuse jaune. Voilà, après il y a des remontées la nuit, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, en tout cas, on va retrouver dans quelques instants le parcours de cette cinquième et dernière étape, donc justement, entre Saint-Thibaud-de-Coux et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et c'est parti avec Philippe-Antoine. Dernière étape en apothéose de moyenne montagne, nichée dans le massif de la Chartreuse, sous l'égide de la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Elle empruntera les contours du parc naturel régional. Le départ aura lieu à Saint-Thibaud-de-Coux et rejoindra Saint-Laurent-du-Pont pour prendre la direction du col du Cucheron, kilomètre 31, après un premier passage sur la ligne d'arrivée à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On basculera ensuite en direction de Saint-Pierre-d'Entremont et gravira le col du Granier au kilomètre 49, avant de plonger en direction de Chambéry, que nous retrouverons après l'ascension de la célèbre côte de Montagnol, cadre des championnats du monde de 1989, où Greg LeMond s'était illustré. Nous suivrons ensuite la direction des Charmettes et la maison où vécut Jean-Jacques Rousseau et escalader de nouveau une partie du col du Granier et obliquer vers Apremont et ses fameux vignobles de Savoie. Nous longerons ensuite la vallée du Grésivaudan, avec une incursion au plateau des Petites Roches pour entamer l'ascension ensuite du col de Porte au kilomètre 152 via le chemin de Rochasson à Mélan, que évidemment tout le monde connaît. La trilogie de la Chartreuse se terminera donc à Saint-Pierre de Chartreuse au terme d'un périple de 160 km et un dénivelé positif cette fois de 4300 mètres. Ça se respecte un Alpe-Isère Tour et on peut dire qu'un bien beau vainqueur en perspective en sortira.
Dis donc, ouais, 160 bornes, le triptyque de la Chartreuse, 4300 mètres de dénivelé. C'est pas de la rigolade. Hein. Moi, je suis content d'avoir réservé ma place dans la voiture. Hein. Même si Anne l'enfant, elle trouve que ça va vite, j'aime autant. Ouais, effectivement. Eh bien, on va écouter maintenant Stéphane Gusmeroli, le maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui accueillera donc l'arrivée de la cinquième étape, mais aussi de cet Alpizer Tour version 2023. Bonjour. Oui, effectivement, c'est la première fois que le Alpizer Tour s'arrête à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il est passé l'année dernière. C'était déjà une vraie fête pour le village. Et cette année, ils s'arrêteront. Et c'est un vrai honneur pour nous d'accueillir l'arrivée de l'ultime et dernière étape de l'Alpizer Tour. Eh ben, on commence actuellement la préparation et l'organisation du village d'animation dans le village, à la fois que la communauté de communes, le département de l'Isère et puis tous les acteurs du village, les commerçants, les socioprofessionnels qui pratiquent et qui font vivre l'activité vélo sur le territoire. Tout ça est en plein travail, ébullition, et ça sera un riche programme, j'en doute pas. Alors je pratique encore effectivement du vélo, plus de vélo électrique maintenant. Mais j'ai parcouru souvent les routes de Chartreuse en vélo et j'ai un souvenir effectivement ici quand j'étais étudiant où j'ai eu l'occasion de parcourir ici le col du Cucheron pour m'entraîner pour une course que je faisais étudiant à Lyon, les 24 heures de l'INSA effectivement. Oui. Alors le vélo c'est une activité qui se pratique énormément ici en Chartreuse, c'est un territoire qui s'y prête merveilleusement bien avec de nombreux cols, de nombreuses descentes et des points de vue magnifiques à l'arrivée comme le Charmançon. Et c'est une activité en plein essor, notamment avec le vélo électrique, avec plusieurs commerçants maintenant qui en proposent à la location. Et on voit les routes de Chartreuse parcourues par les jeunes, les anciens, les sportifs, les moins sportifs. C'est un vrai plaisir de les voir tous sur nos montagnes, sur nos routes, pratiquer cette nouvelle activité. On est ici en plein cœur de la station de ski qui fonctionne cet hiver. Mais notre territoire des moyennes montagnes, comme beaucoup d'autres, et maintenant, on est à l'heure des activités 4 saisons, la diversification et le vélo, comme le ski, comme nos activités, font partie de tout ce qu'on veut maintenant développer et promouvoir pour notre territoire. Merci beaucoup donc à Stéphane Gusmeroli, le maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Je vous propose maintenant de retrouver la globalité du parcours, mon cher Michel, pour bien resituer ce qui va se passer donc, durant ces 5 journées du mois de mai. Donc voilà, je vois que les jeunes vont déployer le parcours complet. Beau parcours, effectivement. Tu le disais, tu es fier, toi, de ce parcours 2023. Je suis fier de ce parcours et je vais même vous donner un scoop. Ah. Je pense que le vainqueur devrait être un grimpeur. Ah bon ? J'aurais eu plutôt un sprinter ou un rouleur, c'est original. Non, c'est vrai que franchement, il est particulièrement compliqué, difficile. Et il est particulièrement intéressant aussi, parce que c'est vrai que dans la montagne se révèlent évidemment les grands champions. Et puis, c'est vrai qu'on le disait aussi, ce département de l'Isère, c'est comme un terrain de jeu merveilleux pour ceux qui aiment quand la route décolle. Hein ? Absolument, et c'était exactement ce que voulait le président Barbier quand il nous a proposé de nous aider pour faire de ce tour... qui s'appelait à l'époque Rhône-Alpes-Isère Tour, qui s'appelle maintenant Alpes-Isère Tour, d'en faire une vraie épreuve iséroise. Son souhait, c'était qu'on aille visiter à tour de rôle les massifs montagneux de notre magnifique département. Et il a eu raison, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'épreuve a pris une autre dimension, un autre sens. Et donc, on est fiers de pouvoir offrir un tel spectacle sportif à tous les gens qui nous suivent et qui nous apprécient, parce que je crois que tout le monde en sort gagnant. Absolument. Voilà, c'est vrai qu'on peut applaudir de nouveau très fort ce beau parcours du 24 au 28 mai prochain. Ne manquez pas le rendez-vous des 5 étapes qu'on vient de vous présenter. Tu restes là, Michel. On va accueillir quelqu'un d'autre dans quelques instants puisqu'on va parler d'une autre épreuve importante. C'est la Classique des Alpes entre Ruy-Monceau et la Bridoire. Et c'est Christelle Rey, directrice de cette Classique des Alpes et vice-présidente du COTNI, le comité d'organisation, qui nous rejoint sous les applaudissements, mesdames, messieurs. Christelle. On va s'asseoir. Christelle, on va effectivement parler de cette Classique des Alpes qui, comme son nom l'indique, est vraiment aujourd'hui une vraie classique qui est toujours très disputée. On découvrira le parcours effectivement donc un petit peu plus tard, mais on va avoir dans quelques instants donc les différents élus impliqués. C'est vrai que c'est une Classique des Alpes qui a vraiment trouvé sa place dans le calendrier. Oui, une place très particulière, aussi bien pour le cyclisme français qu'un peu l'international, parce qu'on a ouvert il y a quelques années la porte à quelques équipes internationales. Donc effectivement, ça a toujours été, depuis sa création, je crois que c'est la 22e édition,
une épreuve de la Coupe de France. 28e. Oui, il compte. Oui. Donc, les années passent, hein, les douleurs se déplacent aussi. Donc, à chaque douleur, un numéro d'édition. Donc, voilà, depuis sa création par ASO, une place dans la Coupe de France tous les ans. Et on remercie la Fédération française de cyclisme pour ça. Et c'est une épreuve spéciale de formation. Voilà, effectivement. Tout ce qui te plaît aussi, Christelle. Hein, voilà, tout ce que tu portes aussi. Oui. Un petit peu, beaucoup même. Alors, on va découvrir tout de suite les propos du maire de Ruy-Monceau, donc Denis Giraud, qui sera effectivement la commune de départ donc de cette classique des Alpes. Et on va le regarder tout de suite. Ensuite, on aura le parcours et évidemment Yves Berthier, ensuite le maire de la Bridoire, pour un petit mot de conclusion. C'est parti. Nous sommes extrêmement touchés par la marque de confiance que Cotny et son directeur général Michel Bourg nous accorde, car cette épreuve est vraiment un marqueur de la commune dans le cadre de ces animations et des animations qu'on souhaite développer pour l'ensemble des habitants de Ruy-Monceau. L'évolution de la couverture médiatique de la classique des Alpes juniors permet bien évidemment de donner une exposition plus importante à la commune et à ses activités. Cela permet de montrer l'intérêt que nous portons à ces activités et à ces épreuves qui, au niveau des jeunes coureurs, permettent de lancer leur carrière. On ne peut que se réjouir de l'internationalisation de cette épreuve et il est tout à fait normal que les équipes étrangères qui viennent participer à cette classique des Alpes juniors mettent tous les efforts et mettent vraiment une grande ambition pour essayer de gagner cette course. Donc on ne peut que s'en réjouir et cela permet aussi d'augmenter le niveau technique de cette course et d'amener nos équipes locales, régionales, nationales à se confronter au meilleur, ce qui est important pour la suite de leur carrière. En termes de cyclisme et de mode doux, nous cherchons bien entendu sur la commune et en liaison avec la CAPI à développer les voies de mode doux, les voies cyclables. Mon premier souvenir véritablement de cyclisme, c'est lorsque mon grand-père m'a offert mon premier vélo de course sur mesure, parce que je suis assez grand, lorsque j'avais 16 ans. Et ça, c'est vraiment un souvenir extraordinaire, car j'ai gardé ce vélo jusqu'à peu. Mais maintenant, je me suis mis à l'assistance électrique. Alors, en fait, l'année 2023 est une année effectivement de reprise et de développement des activités et des animations sur la commune. Je tiens vraiment à dire que ce départ de la classique des Alpes juniors est un peu le couronnement des activités d'animation de la commune et permettre aux différentes associations de se retrouver, de se réunir autour de cette épreuve. Et en cela, je remercie vraiment l'organisation de la course. Voilà, donc Denis Giraud, il y avait une petite ombre sur le visage, hein, c'est vrai. On avait l'impression qu'il avait le masque, mais non, c'était une petite ombre sur le visage, mais les propos ont été parfaitement clairs. Alors, on va retrouver maintenant, Christelle, avec toi, le parcours de cette classique des Alpes qu'on va découvrir donc visuellement et que tu vas commenter. C'est parti, on y va. Donc, normalement, c'est la même cassette VHS que l'année dernière, si les techniciens m'ont donné les bonnes informations. Donc, un parcours classique pour la classique des Alpes. Vous voyez juste la toute petite modification avec un départ de Ruy-Monceau, un passage à Bourgoin-Jallieu qui sera un peu plus tranquille que ce qu'on avait eu ces deux dernières années. Parce qu'on évite la grande descente vers Saint-Savin qui nous stressait tous, y compris les coureurs. Donc là, on est sur la partie plate, facile, sauf que ça roule à plus de 40 km/h pour des coureurs de 17 et 18 ans. Parce qu'il faut être dans l'échappée ou il faut envoyer un coéquipier dans l'échappée. Parce que depuis quelques années, c'est l'échappée qui va au bout. Et ce n'est pas tous les jours si vous regardez le vélo à la télé. Donc il va falloir se bagarrer. Là, on a déjà passé le Montournier, je crois. On est redescendu sur Saint-Genis-sur-Guiers. Ça veut dire que les choses sérieuses ont commencé. Et là, on attaque, je ne visualise pas bien le diagonale, mais je pense qu'on est déjà dans le Mont du Chat. Et on vient de passer le sommet du Mont du Chat et on attaque une partie extrêmement technique avec une descente qui fait l'objet de nombreux repérages par les équipes. Et le final avec le col du Banchet avant l'arrivée à la Bridoire.
Voilà, beau parcours s'il en est. Combien de kilomètres à peu près 130,2. 130,2 ou 4, voilà, ça dépend. Donc, voilà. Vu la fin de enfin, surtout le profil à partir de la moitié de l'épreuve, c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est costaud. On va retrouver les équipes dans quelques instants, juste après les propos d'Yves Berthier, le maire de la Bridoire, qui sera donc la commune d'arrivée de cette classique des Alpes cette année. Bienvenue à tout le monde pour la 10e fois, normalement, si ma mémoire est bonne, dans le village de la Bridoire, notre petit village niché au creux des collines, entre la chaîne du Montournier et la montagne du Raz. C'est toujours un plaisir de voir les vélos arriver. C'est aussi un peu la fête dans le village, avec la présence de nos élèves de l'école communale qui viennent faire des dessins et un petit courseton de vélo. C'est toujours un plaisir de voir dans le circuit professionnel les visages de jeunes coureurs qui se sont illustrés il y a quelques années chez nous. Je pense à la deuxième place de David Goudu, je pense à Rémi Rochat qui est un régional de l'étape aussi, je pense encore plus aux régionaux de l'étape que sont les frères Paré Peintre, puisqu'ils ont de la famille sur notre commune, leur grand-père. Notre territoire de colline nous permet aux sportifs de s'exprimer totalement. Avec la montée du Montournier qui n'est pas facile et la montée du Mont du Chat qui est encore plus difficile. C'est toujours un exemple aussi pour tous les sportifs amateurs et la vision que l'on peut avoir de cette course qui aujourd'hui est filmée permet de donner envie à certains, je l'espère d'ailleurs, de venir nous trouver dans nos villages. Cette action de filmer la course, c'est aussi une grande. C'est valorisant pour les personnes qui sont filmées, leurs familles, de voir leurs exploits. C'est aussi très très intéressant pour les personnes qui sont amoureux du vélo de voir cette course qui est assez original, je crois, dans le circuit junior, c'est-à-dire qu'on commence à se frotter à quelques pourcentages un petit peu forts. Donc c'est pour ces jeunes coureurs une occasion peut-être unique de montrer leur capacité dans les forts pourcentages de nos collines et de nos montagnes. Donc aujourd'hui, tant qu'on aura les moyens d'accueillir cette course magnifique, eh bien nous sommes très heureux de faire perdurer ce rendez-vous. Merci beaucoup à tous. Et merci à Yves Berthier, le maire de la Bridoire, donc, qui est un maire très impliqué dans cette classique des Alpes. Ça fait une dizaine d'années, effectivement, qu'il est dans le coup, comme on dit. Alors, Christelle, on va découvrir dans quelques instants les équipes de cette classique des Alpes. Là aussi, beau plateau, hein, chaque fois, en général. Il y a une petite vidéo. Je crois qu'on va avoir la preuve, effectivement, que cette année encore, il y aura un beau plateau. La classique des Alpes juniors reste d'abord une manche de la Coupe de France U19 FFC. Donc, on a les 12 comités régionaux métropolitains qui participent. Donc, je pense que c'est la série de maillots qu'on va voir. Et puis, ce qu'on a arrivé à faire au fur et à mesure des années, c'est d'avoir la participation de grandes régions européennes. C'est-à-dire on essaie d'équilibrer avec les grandes régions françaises, parce que toutes les régions sont grandes maintenant. Donc, on accueille les Flandres, la Wallonie, la Catalogne, le Piémont, notre voisin qui vient toujours. Et puis, nouveauté maintenant, la Toscane et la Romandie qui reviennent. Et donc ce plateau est complété par trois équipes, on va dire, privées, qui viennent des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et d'Allemagne, là où le cyclisme n'est pas forcément organisé en grandes régions comme la France, l'Italie, l'Espagne. Et puis des équipes invitées aussi avec une sélection Isère et Savoie. Donc les meilleurs coureurs des deux départements seront sous le même maillot. Mais ce n'est pas du tout le petit pousset, puisque je rappelle que Paul Magnier, qui est professionnel et qui sera peut-être à l'Alpizer Tour, d'ailleurs, chez Trinity. Paul Magnier, avec le maillot de la Savoie l'année dernière, avait terminé troisième. C'est un coureur de grand talent. Et également, dans le passé, Rémi Rochat, comme évoqué par Yves Berthier, avait gagné avec le maillot de la Savoie également. Et puis, le Team Inca, qui est un club d'Auvergne-Rhône-Alpes, composé de coureurs colombiens et européens. Donc, je crois qu'il n'y a qu'un Français dans ce club qui est du Cantal.
Et bon, c'est l'occasion de faire découvrir aussi l'épreuve à des coureurs d'Amérique du Sud, notamment. D'accord, donc un plateau super. Course très ouverte, qu'on peut applaudir de nouveau très fort. Donc voilà. On a vu, je suppose, donc les équipes. Je pense que ça a été diffusé, hein, vraisemblablement. Hein, oui. Elles voilà, arrivent. Ah, elles arrivent maintenant. Voilà. Bah, écoute, c'est parfait. Avec c'est pas de chance avec l'ordre alphabétique au Vin Rhône-Alpes en premier. Bah, c'est bien. Comme souvent. C'est pas grave. C'est bien. On est content, vous ? Oui, tout à fait. Bah alors. Ça ira. Donc au Vin Rhône-Alpes qui va venir avec un très gros collectif cette année. On alterne, parce que c'est l'ordre alphabétique, les régions de France avec les régions étrangères. L'Île-de-France, alors le dernier jeu de mots à la mode, Made in Michel Beau, je viens de recevoir un télégramme. Donc le dernier vainqueur, enfin le vainqueur de la deuxième épreuve de la Coupe de France s'appelle Berg, donc mont en flamand, montagne en Allemagne. Donc voilà, probablement le favori de Michel Beau, Gabriel Berg. D'accord. Ah, il est présent, Gabriel ? Il est là ? Est-ce qu'il est là, Gabriel Berg ? Là-bas ? Ok. Salut Gabriel. Ah très bien, j'ai rien compris à la blague, merci beaucoup, merci. Bien préparé. Tu lui expliqueras, Christelle. Voilà. Voilà donc les équipes, effectivement, qui se succèdent, la Wallonie, la Toscane en Italie, donc, bien sûr. Nouvelle venue, ouais. Qui est une grosse, grosse région de vélo en Italie, donc on pourra avoir aussi des surprises. On a toujours des surprises avec la Classique des Alpes. On a tous été surpris de voir Keanu Uttebroeks gagner la Classique des Alpes. Personne ne le connaissait. Est-ce que tu as été surpris au Tour de l'Avenir l'année dernière ? Ah, dis donc, c'est incroyable, ouais. Incroyable. Ouais. Non, mais vraiment révélateur de talent, hein, cette Classique des Alpes. Hein. C'est normal, il y a eu 19, forcément, donc il y a déjà du sacré niveau. Et on voit que plus jeunes sont les coureurs, plus ils s'affirment aussi rapidement, évidemment, donc dans des épreuves comme celle-ci. Et on se rend compte que les champions sont de plus en plus jeunes. Hein. C'est aussi grâce à la Classique des Alpes, entre autres, et puis à la Coupe de France, et puis à toutes ces épreuves, évidemment, qu'on retrouve de manière pérenne donc, sur le calendrier national et même international maintenant, puisqu'on a plein de coureurs étrangers. Donc ça, c'est bien. Merci Christelle, un petit mot à rajouter, peut-être ? Alors, je ne sais pas s'ils sont de plus en plus jeunes, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'équipes professionnelles qui profitent du Dauphiné pour venir jeter un œil sur la Classique des Alpes. Le streaming ne leur suffit pas. Et c'est vrai qu'on s'amuse avec Michel à mettre des petites étoiles sur notre palmarès aux coureurs qui passent pro. Et en fait, depuis 3 ans, on met des étoiles aux coureurs de l'année précédente. Ouais. Signe des temps. Voilà, signe des temps, effectivement. Donc, en tout cas, voilà le parcours hein, qui a été révélé de manière complète par Jules et Rodrigue, nos deux jeunes, là, que vous retrouverez tout à l'heure. Donc, comme mannequin pour la belle tenue des bénévoles. Ils sont d'ailleurs fin prêts. On peut les applaudir, les deux jeunes, d'ailleurs. Tiens, allez, voilà. Bravo, hein. Ils ont ouvert le parcours. Ce sont nos deux stagiaires de l'année. Oui, voilà, justement. Hein, c'est voilà. Ça, c'est bien. Ils mouillent le maillot. Rodrigue et Jules. Ils mouillent le maillot, même quand ils sont en costume. C'est vous dire un peu s'ils sont complets. Des garçons charmants. Voilà. Qui ne gâchent mais ils n'ont pas fini de transpirer. Ah oui, ça c'est sûr. Ils ont compris. Hein, ils ont compris. Très bien. On va maintenant changer d'épreuve et parler d'Alpes Grésivaudan classique. Le Versoux-Croll. Voilà, troisième épreuve dont nous devons parler maintenant pour cette soirée de présentation. Alors, écoutez, on va avoir un petit générique, je crois. Hein, donc, un petit teaser Coupe de France. Et ensuite, eh bien, on dira davantage de choses sur cette Alpes Grésivaudan classique. Mais tout de suite, la petite vidéo qui va bien. Le final. Voilà, donc comme ça, ne rien oublier, c'est important. Christelle, donc et Michel, ben on vous écoute. Hein, c'est une épreuve importante là aussi, c'est vrai, à laquelle vous tenez comme à la prunelle de vos yeux. Parce que là encore, ce sont des champions, ce sont aussi des équipes de prestige. Et puis encore une fois, tout cet attrait qu'on a quand la formation devient compétition.
En tout cas, on avait fait un pari l'année dernière qu'il fallait s'inscrire dans l'organisation des épreuves féminines pour participer à l'évolution du cyclisme féminin tel qu'on le conçoit. On a eu vraiment raison de le faire puisqu'il y avait le Tour de France qui se profilait juste derrière. Et puis, on a eu la chance que les dieux nous servent aussi puisque d'abord, les Grésivaudans nous a écoutés, nous a entendus, nous a répondu tout de suite, a été présent et à nos côtés pour ce nouveau projet. Le département a répondu dans la foulée. Donc, on savait qu'avec, en plus, Isère Attractivité qui était aussi au rendez-vous et le SMAG, eh ben, on ne pouvait que réussir le côté financier de l'opération. Bon, ils auraient pu mettre un peu plus, ça aurait été bien, mais bon, ça, c'est ma petite, on peut pas tout avoir ma tout petite suite. Touche habituelle. Ça va venir. Hein, franchement, ça va venir. Non, mais je plaisante, bien évidemment. Tout ça pour dire que grâce à ça, on a été en capacité de mettre au point, de mettre sur pied cette épreuve-là. Et on a été servi par les dieux, je disais, parce qu'on a eu une première vainqueur qui est, ne serait-ce que ça, c'est déjà un truc extraordinaire, c'est que c'était Evita Music, revêtue du maillot de championne de France, donc à l'époque. Première de la première Alpes-Grésivaudan classique. Et derrière, deuxième d'une étape du Tour de France, huitième du classement général final. Et là, ce mercredi, elle vient d'être cinquième de la Flèche Wallonne. Donc vous voyez que ça prouve bien que notre épreuve est encore une épreuve qui fait découvrir les talents. Donc on est convaincu d'ailleurs qu'elle viendra défendre sa victoire de l'année dernière. Enfin, en tout cas, on espère fortement. Ça serait une réussite pour nous et aussi une marque de confiance vis-à-vis de l'organisation qui a d'ailleurs été reconnue par l'Union Cycliste Internationale puisque dès la deuxième année, on passe en classe 1, la classe supérieure, et par la Fédération Française de Cyclisme, dont le président est là, on nous a proposé d'être aussi manche de la Coupe de France élite française des Jeux. Donc ça, c'est aussi une marque de reconnaissance. Bon, voilà. Après, il y a d'autres points qui pourraient être meilleurs, parce que ce n'est pas simple d'organiser une course de filles, parce que le cyclisme féminin est en plein développement et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais avec l'appui de tous les gens que j'ai cités tout à l'heure, on ne peut que réussir. Voilà, en tout cas, c'est non seulement dans l'air du temps, c'est une obligation, la femme est l'avenir de l'homme, y compris dans le vélo. Et Michel Callot le sait bien, il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs et à le promouvoir. C'est vrai que c'est important. On voit le développement des épreuves cyclistes féminines qui cartonnent un peu partout, y compris au niveau d'Audimat, ce qui montre bien l'intérêt que le grand public a aussi pour ce type d'épreuve. On va regarder quelques vidéos maintenant, avec avant le parcours, donc le petit mot de Christophe Susilo, le maire du Versou, qui sera la commune départ donc, de cette Alpes Grésivaudan classique féminine. Cette deuxième édition qui partira du Versou, ici un peu plus bas, avec un bel itinéraire en Belledonne et en Chartreuse, terminera un peu plus loin sur la ville de Crôle. D'ailleurs, on aperçoit la dent de Crôle qui est un peu plus loin. Au Versou, ici, nous sommes en entrée de territoire du Grésivaudan, et un territoire magnifique, comme on le sait tous, et le Versou est une terre d'envol. On est très fiers de participer à cette édition. La commune du Versou est une commune de 5000 habitants, en rive gauche, première commune d'entrée dans le territoire du Grésivaudan. Il est important que justement on porte le développement économique et sportif de ce grand territoire. Le développement d'un territoire est associé à un développement sportif qui associe toutes les générations et qui permet de combiner une dynamique d'excellence. On a beaucoup de pratiquants sportifs sur notre commune avec beaucoup de disciplines et notamment une discipline comme le basket au féminin avec un club reconnu qui joue aujourd'hui en pré-national. Donc le sport au Versou a été très largement implanté, moi-même en tant que jeune public, j'ai pratiqué de nombreux sports sur cette commune lors de ma jeunesse. Alors c'est un territoire qui est exceptionnel par des panoramas, des plateaux, mais également aussi des zones de plaine qui permettent aussi parfois de se ressourcer et de contempler nos montagnes. Alors, nous sommes sur un site d'exception en Isère avec cette tour qui nous entoure, qui est aujourd'hui telle une vigie, éclaire notre paysage en soirée, qui date de 1246 et qui a été classée au titre du patrimoine en Isère. Le Versou a contribué au Tour de France. Un sportif reconnu, Philippe Agut, dans les années 50, a concouru 3 fois au Tour de France et qui a eu comme meilleur classement une 52e place. Il était épicier dans notre commune. Je l'ai connu. C'est quelqu'un qui aurait été très fier d'être là aujourd'hui avec nous. Rendez-vous le dimanche 4 juin au Versou pour le départ. Voilà Christophe Susilo, donc le maire de Versou. Ce sera le 4 juin prochain, il vient de vous le dire, monsieur le maire. On va découvrir maintenant le parcours donc, de cette Alpes Grésivaudan classique. Christelle, écoute, ou Michel,
l'un des deux, les deux, voilà, vous pouvez de concert, je vous prête mon micro s'il faut, il n'y a pas de souci, donc faire le commentaire au fur et à mesure donc, du parcours qu'on va découvrir tout de suite. Avec des routes qu'on la connaît un petit peu. La communauté de communes du Grésivaudan. Ah, mais il y a un commentaire. Voilà, l'Alpe Grésivaudan classique féminine débutera donc de la commune du Verso pour suivre la vallée sur une dizaine de kilomètres et entamer l'ascension du col des Ailles, première difficulté, en première catégorie au kilomètre 13, qui sera suivi juste après du col du Barrioz au kilomètre 23, avant de plonger sur la station thermale d'Alvar-les-Bains et contourner le massif de Bramfarine et la traversée de Pontcharra. Cette traversée au kilomètre 67, avant de suivre le plateau des Petites Roches au lieu du vol libre. Nous redescendrons ensuite en direction de Crolles pour un premier passage sur la ligne d'arrivée. Une boucle finale de 36 km avec une nouvelle incursion et ascension du plateau des Petites Roches au kilomètre 107 clôturera cette classique de 128 km et un dénivelé positif de 3200 m. Un beau terrain de jeu à n'en pas douter pour ces jeunes femmes. Le commentaire de Philippe Antoine, donc vous avez reconnu sa voix évidemment. Donc Christelle, voilà, on le disait, belle épreuve, beau parcours, effectivement très sélectif aussi là. Et particulier dans le paysage des compétitions femmes qui se développent, certes. Donc on a une ou deux épreuves de ce profil en Italie, une autre en Autriche, mais c'est vrai qu'on offre quelque chose de particulier. Donc on espère que ce sera inscrit dans le parcours de formation des jeunes Françaises en particulier, comme la classique des Alpes juniors peut l'être chez les hommes. Super, on va écouter maintenant quelques propos du maire de Crolles, en particulier Philippe Lorimier. Ensuite, on retrouvera Nathalie Faure, vice-présidente Isère Attractivité. Mais tout de suite, c'est Philippe Lorimier, donc pour la commune de Crolles. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur la ville de Crolles. Alors, l'Alpe Grésivaudan classique, je dirais qu'on a ouvert la voie et c'est issu d'une rencontre avec Michel Baupe, il y a quelques années, pas très loin, en 2021, qui était un peu coincé pour terminer l'Alpe Isère Tour. Et on a à Crolles ouvert la voie en ayant un accompagnement. Et donc, nous avons eu une arrivée à Crolles. Et on a ouvert en fait la porte sur le Grésivaudan. Et moi, je suis très heureux que le Grésivaudan ait repris cette initiative sportive avec l'Alpe Grésivaudan classique. Alors, le vélo à Crolles, c'est quelque chose d'important parce que le vélo, moi, je dis, c'est le vélo un peu pour tous. Et le vélo à tous les âges, ça peut être du vélo loisir, ça peut être du vélo sportif, comme on va le voir prochainement avec la classique féminine. Ça peut être aussi du vélo pour du domicile-travail. Et on a une initiative sur Crolles qui s'appelle Crolles en selle, qui permet d'accompagner les gens vers le vélo, à la fois pour faire ses courses, mais aussi pour faire du domicile-travail. Donc on est un peu loin du sport dont on parle aujourd'hui. Alors le vélo, je trouve que c'est quand même un sport passionnant, parce que c'est un sport tactique, c'est un sport populaire. Je crois que c'est un des seuls sports où vous pouvez être présent sur le bord de la route sans payer un ticket d'entrée. Et ça, pour moi, c'est aussi important, ces sports populaires. Moi, quand j'étais gamin, je m'asseyais sur le pas de porte de ma grand-mère en Belgique, parce que je suis originaire de la Belgique, puis je regardais passer les classiques sportives à l'époque, avec une glace dans les mains. Et puis, quelques années plus tard, évidemment, comme j'avais des origines belges, j'étais un peu fan d'Eddy Merckx à l'époque, qui a porté pendant de nombreuses années le maillot jaune. Alors j'espère qu'un jour, peut-être sur Crolles, on aura un maillot jaune. On a candidaté pour le Tour de France. On a eu aussi l'épreuve du Dauphiné libéré qui s'est arrêté aussi sur la ville. Donc vous voyez, le vélo, c'est pas nouveau à Crolles. Et le sport non plus, ce n'est pas nouveau, puisque nous avons été récompensés comme ville active et sportive. Nous avons sur la commune plus de 70 clubs sportifs qui accueillent à peu près 5000 adhérents. Donc vous voyez que à Crolles, on a déjà un petit vélo dans la tête et vraiment je suis très heureux que la classique Grésivaudan s'arrête chez nous cette année. Et puis un petit salut amical à Michel. Attention pour les compétiteurs, l'arrivée se passera ici sur l'avenue Ambroise-Croizat. Très bien, belle soirée à vous tous. Merci beaucoup à Philippe Lorimier,
belge d'origine, parfaitement intégré évidemment dans cette commune de Crau et dans ce beau territoire, dans ce Grésivaudan. On va retrouver maintenant la vice-présidente d'Isère Attractivité, Nathalie Faure, qui elle aussi souhaitait s'exprimer devant vous ce soir. Je suis fière de voir le département de l'Isère s'associer à la course cycliste féminine Alpes-Grésivaudan classique. En tant que vice-présidente du département en charge de la montagne et vice-présidente d'Isère Attractivité, je suis heureuse que nous puissions soutenir cet événement 100% féminin. Le département apporte une aide importante au sport féminin, notamment au travers d'aides aux associations, aux clubs sportifs, au travers de journées découvertes et également au travers d'événements comme par exemple Isère fière de ses sportifs qui a permis de récompenser l'année dernière pratiquement la moitié de femmes sur les 605 sportifs récompensés de tous âges et de toutes disciplines confondues. En sport, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'origine ou de niveau social. Tout le monde est au même niveau et c'est la performance qui compte. Les femmes sont d'ailleurs de plus en plus impliquées dans le monde du sport, que ce soit en tant qu'athlètes, mais également entraîneurs, arbitres, journalistes ou dirigeantes. Et un événement comme l'Alpes-Grésivaudan classique participe et encourage les femmes à s'engager dans le sport, à démontrer leur talent et leur détermination. Notre département est fier de compter plusieurs sportives connues et reconnues, parmi lesquelles d'ailleurs une cycliste, Janie Longo, mais également Carole Montillet pour le ski alpin ou Ophélie David en ski cross. Et puis, nous n'oublierons pas, bien évidemment, Evita Music, qui a gagné l'édition 2022 de la Alpes-Grésivaudan classique. Elle a été également championne de France 2021. Je souhaite à toutes les compétitrices une très belle édition 2023 de l'Alpes-Grésivaudan classique et que la meilleure gagne. Merci beaucoup Nathalie Faure, merci Madame la Vice-Présidente. On va maintenant découvrir les équipes, ma chère Christelle, pour cette belle compétition donc, qui a un label évidemment de qualité, hein, reconnu et c'est bien. On va regarder un petit peu ce qu'il en est du plateau. Il y a sans doute une vidéo, puis un petit commentaire par-dessus. Allez. Oui, je vais essayer de suivre. Donc, on commence par l'équipe de France, qui sera très certainement emmenée par Evita Music et avec une forte équipe de France. L'équipe du Grand Est, une nouvelle équipe UCI, managée par Cathy Marsal, l'ex-championne du monde. Le Stade Rochelais, une équipe très impliquée dans la formation française, patronnée par une équipe de rugby. Ljubljana, BTC, une équipe 100% slovène. Le slovène est à la mode, chez les femmes aussi. Nouvelle équipe UCI également qui nous vient du Luxembourg, S. Voilà. Ça va vite, hein, dis-donc. On va la refaire. Et on finit par les deux équipes de National 1 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont donc Lyon Sprint Evolution et Chambéry Cyclisme Compétition, qui avaient déjà participé l'année dernière, avec un certain succès. D'accord. Ça allait vite, hein, t'as remarqué. On était au sprint du début vont, à la vont fin. Très vite, on dirait un contre-la-montre. Il faut s'habituer, les femmes vont très vite. En Elles vont très, très vite, mais c'est vrai en plus. Hein. Voilà, on peut applaudir ce beau parcours, mais aussi ces équipes, mesdames, messieurs. Et avant de refermer cette page donc, sur cette épreuve, on va écouter Anne-Françoise Besson, déléguée au sport et aux loisirs à la communauté de communes du Grésivaudan. On l'écoute maintenant, juste avant de refermer cette page-là et d'en ouvrir une ultime avant le cocktail final, bien sûr. Bonjour et bienvenue dans le Grésivaudan, terre de vélo et terre de jeu 2024. Nous sommes particulièrement fiers de recevoir une nouvelle fois la course de l'Alpes-Grésivaudan classique. Au-delà de nous permettre de vous faire découvrir notre magnifique territoire, blotti entre les massifs de Chartreuse et de Belledonne, proposant une multitude de parcours en montagne ou sur le plat, c'est surtout un grand privilège de participer à la promotion du sport en général et plus particulièrement du sport féminin au travers de cette course de très haut niveau, promue cette année classe 1 par l'Union Cycliste Internationale et la Fédération Française de Cyclisme. Elle sera également une manche de la Coupe de France Femmes FDJ.
C'est un grand honneur de voir évoluer ces femmes d'exception, source d'inspiration pour toutes et tous, petits et grands. Après un départ et une arrivée en montagne l'année dernière, c'est cette fois dans la vallée, à Crolle et le Versou, qu'elles s'élanceront et arriveront pour cette édition. Bien sûr, entre les deux, elles auront l'occasion de monter et descendre nos petites routes de montagne et de profiter au maximum de la grande diversité de notre territoire. Nous vous attendons donc avec impatience, mesdames, le 4 juin, ainsi qu'un public nombreux pour vous encourager tout au long du parcours et voir qui va succéder cette année à Evita Mützig, grande gagnante l'année dernière. Voilà, merci Anne-Françoise. Anne-Françoise Besson, donc tonique et dynamique vice-présidente, déléguée au sport et aux loisirs à la communauté de communes, le Grésy-Vaudan. Et donc, un petit mot de conclusion, Christelle, pour dire c'est le 4 juin prochain. Michel, c'est le 4 juin prochain, il ne faut pas louper ça. C'est le 4 juin prochain et on subodore que Evita Mützig voudra défendre son titre, on l'a déjà dit tout à l'heure. Il faut quand même souligner qu'elle habite à Grenoble. Donc, c'est presque une iséroise. Donc, on est fiers de cette collaboration avec notre événement. Elle a adoré ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, je pense qu'elle sera là au départ. Et je suppose que les 3100 mètres de dénivelé qu'on a mis cette année, parce qu'on part du plat, on arrive au plat, mais je peux vous assurer que le parcours qu'on a mis en place est loin d'être facile et ça laisse présager des belles empoignades en tout cas. Tant mieux, on a déjà la salive au bec, comme on dit. Voilà, on va donc clore cette page Alpes-Grésy-Vaudan classique pour ouvrir une page conclusive avec deux interventions majeures donc, de nos invités d'honneur ce soir. Juste avant, on va réévoquer ce maillot des bénévoles, mon cher Michel, parce qu'effectivement, on avait évoqué ce maillot des bénévoles avec comme sponsor Eratec, Groupama, Balcon du Dauphiné, donc J.C. Ega étant le fabricant, c'est un fabricant local. Et donc, on va le présenter, ce beau maillot, hein, dans quelques instants. Mais auparavant, une vidéo pour nos amis de Groupama qui s'y sont mis à trois pour nous donner leurs sentiments donc, sur ce partenariat avec Margot Dessertine, Frédéric Brett et Véronique Bliard. On regarde tout de suite la vidéo. Groupama, assureur généraliste, est très implanté dans le département de l'Isère avec ses 35 agences, ses 120 collaborateurs et ses 300 élus bénévoles. C'est pourquoi accompagner un grand événement comme le Alpes-Isère-Tour nous semblait important. Nous sommes aussi, avec le cyclisme, un grand partenaire puisque notre équipe Groupama FDJ participe à cette très belle course. En tant qu'entreprise citoyenne, Groupama a une politique partenariale forte sur des clubs sportifs ou culturels de tout le territoire. Notre modèle mutualiste fort et moderne est fondé sur le bénévolat. Nos sociétaires, engagés à nos côtés, nous accompagnent pour faire vivre notre mutuelle et mener des actions sur le territoire. C'est pourquoi il nous a semblé important d'être aux côtés des bénévoles sur cette course de l'Alpes-Isère-Tour et même l'ensemble des autres courses. Les bénévoles sont les hommes de l'ombre et les femmes de l'ombre et il est important aujourd'hui de les mettre dans la lumière, tout comme le font les élus pour Groupama. Et nous vous souhaitons à tous une très belle course. Eh bien voilà, merci beaucoup. Donc voilà, tu peux me mettre... voilà. On va donc dans quelques instants vous présenter ces maillots hein, des bénévoles avec nos deux jeunes gens, nos deux stagiaires du Cotny. Ils n'ont jamais défilé encore une seule fois de leur vie, mais là, ce soir, vous allez leur faire évidemment le triomphe qu'ils méritent hein, avec leur belle tenue. Voilà, il s'agit de Jules et de Rodrigue. Où sont les garçons ? Donc, Rodrigue Pilar et Jules de Fillon, nos deux stagiaires de l'année, qui sont équipés grâce à nos partenaires qu'on a cités tout à l'heure, à savoir donc des partenaires, évidemment, il y a des partenaires généraux qui nous aident sur l'ensemble de la course. Là, ils ont voulu plus spécifiquement se positionner sur les tenues des bénévoles. Donc, Eratec, les balcons du Dauphiné, qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, le département de l'Isère et le Groupama. Mais là, pour ça, il faut que vous vous tourniez. Ah voilà, c'est ça. En fait, ce sont des hommes sandwich, mais dans le bon sens du terme. Superbe. Hein. Alors, vous avez deux couleurs de t-shirt. Des t-shirts qui ont été confectionnés, vous voyez, avec le motif des montagnes qui nous est cher, qu'on retrouve sur chacune de nos épreuves. Donc, on le retrouve également sur le t-shirt. Et ça, c'est parce qu'on a affaire justement à une technique bien particulière
qui est de la sérigraphie, qui est faite par une société iséroise, qui est en capacité de faire exactement ce qu'on veut sur le support qu'on veut. C'est un tissu qui est fait à Bourgoin-Jallieu. C'est une société qui travaille à Saint-Savin à côté et qui donc a toute une équipe pour nous mettre et nous proposer ces deux produits-là. Le noir, c'est celui qui est commun à toutes les épreuves. Et le vert, qui est un peu particulier, qui est celui de l'Alpe Grésivaudan classique féminine, puisqu'on y retrouve dessus la Comcom du Grésivaudan, le SMAG et Alpizir pour Isère Attractivité. Donc je pense que tous seront ravis d'avoir ces nouvelles couleurs et d'avoir ce beau t-shirt. En tout cas, on pensait que c'était normal de faire un petit clin d'œil pour tous ces bénévoles qui s'investissent et qui viennent nous aider à aller au bout de ces projets que nous avons pour faire que le vélo vive. Alors c'est une marque effectivement de respect, de remerciement aussi pour tous les bénévoles. Merci d'applaudir de nouveau nos partenaires et ce beau maillot des bénévoles. Merci Jules, merci Rodrigue. Bravo les garçons. Voilà, ils ont regardé dans la salle s'il n'y a pas des demoiselles à séduire avec ces belles tenues. Vous êtes un peu dans la pénombre, hein, forcément, et ils ont eu du mal à voir, mais ils repèrent très vite à cet âge-là, ils ont bonne vue. Voilà, ils ont un bon pied et bon œil. Voilà, on va donc dans quelques instants clore cette soirée de présentation avec deux interventions. Celle de Martine Colli, vice-présidente du département en charge de l'enfance, de la famille, de la jeunesse et des sports. Et celle de Michel Callot, le président de la Fédération française. Je vous demande de les accueillir tous les deux sous les applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, Michel, tu vas donner ton micro. Voilà, chère Martine. Alors, bah, soit vous vous mettez là, soit vous mettez au pupitre, soit vous restez là. Vous faites comme vous voulez. On va rester là, hein, monsieur. Allez, restons là devant le panneau. Ben, installez-vous. Bon. Allez, installez-vous, c'est encore mieux. C'est le même prix assis que debout, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Salut Michel, madame la vice-présidente, mes hommages et merci d'être avec nous. Allez, donc un petit mot, évidemment, au titre de votre représentation de la jeunesse et des sports, entre autres missions dans ce département de l'Isère, qui est un vrai beau département de jeunes et de sportifs, il faut le dire, quoi. Hein. Effectivement, vous l'avez dit. Alors moi, je me réjouis évidemment de cette soirée qui est à l'image de Michel, de son équipe, du professionnalisme, de la convivialité, du bonheur. Et puis, j'ai vu tous ces maires qui sont fiers d'accueillir l'épreuve, qui sont fiers de proposer ce spectacle et ces performances sportives à leurs administrés, et puis aussi d'avoir tout ce monde là qui est derrière ces écrans pour voir l'Isère, tous nos paysages, hein, et c'est pas Christophe Susilo qui me contredira, c'est vrai que l'Isère est un territoire de vélo, un territoire d'attractivité, donc ça nous permet effectivement avec ces épreuves multiples de faire découvrir non seulement aux Isérois, mais aussi à des personnes bien plus larges, des étrangers, ce qu'ils peuvent venir faire chez nous, du vélo, mais aussi bien d'autres choses. Voilà, merci beaucoup, chère Martine Colli, donc de l'accueil évidemment du département de l'Isère pour cette épreuve, mais toutes les épreuves, hein, on le disait, quel beau département avec un terrain de jeu qui est à nul autre pareil, c'est vrai, merci beaucoup. Un petit mot de précision encore ? Ah bah oui, parce que Michel vient régulièrement nous faire part de ses difficultés, il l'a évoqué un petit peu comme ça, mais alors, il se rapproche, nous sommes très attentifs, hein, c'est vrai. Tout augmente. C'est vrai, voilà. Que quand, oui. Alors moi, je suis du Grésivaudan, mais il est taquin, mais il est tenace, on va dire. Mais c'est bien. En même temps, oui. En tous les cas, on est vraiment très fiers de pouvoir apporter cette participation. Et puis c'est vrai que quand il y a eu cette épreuve féminine qui est arrivée et que le Grésivaudan a dit oui, ça a été aussi quelque chose de très important. Et puis c'est arrivé au Plénet l'année dernière, c'était quelque chose. Les filles, enfin moi je me réjouis aussi de revoir cette épreuve. Et bien sûr, Michel, nous serons toujours avec toi et avec les bénévoles que tout le monde a salué, mais je crois qu'il faut le redire. Plus de 300 personnes, ça ne pourrait pas fonctionner sans eux. Mais ils ont ce professionnalisme, ils sont responsables de la sécurité. Et bravo et heureusement qu'ils sont là dans le cyclisme, mais aussi dans tous les autres sports qui sont pratiqués en Isère. Merci. Merci, chère Martine Colli. C'est vrai, 28 500 heures équivalent au niveau des bénévoles de travail effectif, c'est énorme évidemment. Michel Callot, merci beaucoup, monsieur le président de la Fédération française de cyclisme, d'être des nôtres. C'est vrai que Michel Callot, quand on parle de courses de jeunes, quand on parle de courses de révélation de talent, de formation, d'épreuves sportives, de féminisation aussi du vélo, bah forcément, le président de la Fédé, il est content parce que ce sont vraiment des axes essentiels de la Fédération aujourd'hui, hein, et de l'Union cycliste internationale en général, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, avant de dire deux mots là-dessus, d'abord dire
mon bonheur, mon plaisir d'être avec vous ce soir. Michel, on se connaît depuis très longtemps. Moi, j'ai eu le plaisir de faire la course sur le vélo à une époque où elle s'appelait autrement. Mais voilà, c'est des souvenirs assez fantastiques quand même. Et puis, ce qui me touche vraiment, alors c'est évidemment reflété par le nombre que vous êtes dans cette salle, assister à cette présentation, la densité de témoignages de tous les élus concernés par la course, c'est là où on voit l'ancrage dans le territoire extraordinaire, votre présence, bien sûr, Madame la vice-présidente. Mais ça, c'est vraiment le cyclisme. C'est le cyclisme qu'on aime, qui puise ses racines au fond de nos territoires, qui en exploite toute la richesse sur le plan sportif, mais également sur le plan de la mise en valeur. Les paysages, on s'est baladé là pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré d'ailleurs, une heure, deux heures. C'est fantastique ce que peut représenter toutes ces images issues du vélo. Et puis, au-delà de ça, c'est les valeurs qui restent constantes autour de Michel, de Christelle également, que j'apprécie beaucoup sous plein d'autres registres où on a l'occasion de travailler ensemble pour la Fédération française de cyclisme. Mais notamment dans les valeurs, moi je me souviens de discussions avec Michel il y a bien longtemps quand même, sur justement ce positionnement de l'épreuve permettant à la fois aux meilleurs amateurs régionaux de pouvoir encore continuer à participer et de venir se frotter à des professionnels. Et on voit qu'on est monté en gamme largement au niveau des professionnels, mais en maintenant cet esprit-là, en maintenant ça. Et on a besoin aussi de ça au niveau de notre fédération, que tout le monde ne cherche pas à monter toujours le plus haut, parce qu'il faut que tous les échelons soient remplis, bien remplis, remplis de manière qualitative, pour que ça puisse permettre aux coureurs de progresser et effectivement d'aller rejoindre, pour ceux qui en ont la possibilité, le haut niveau, le très haut niveau, mais pour tous les autres aussi, de continuer à avoir une offre importante, motivante de courses comme celle-ci. Et puis, bien évidemment, l'ajout aujourd'hui, enfin, en tous les cas, cette sorte de quinzaine, hein, en fait, avec l'Alpizère Tour, il faut que je fasse attention parce que moi j'ai été habitué à d'autres appellations, mais j'apprécie celle-ci, avec évidemment la classique des Alpes Junior, et puis maintenant cette épreuve du Grésivaudan réservée aux femmes, ça forme effectivement une sorte de triptyque qui complète parfaitement la palette. On a tout, on a les jeunes, avec les juniors, et comme l'a dit tout à l'heure Christelle, pour certains, pour les meilleurs, en tous les cas, ils passent très très vite loin au-dessus maintenant après junior. On a dans cette optique de développement, dans cette optique également de lien vers le très haut niveau, et je suis particulièrement heureux que cette course puisse disposer aujourd'hui dans la belle Coupe de France, mais les femmes, et Michel le disait tout à l'heure, c'est encore quelque chose de très fragile, le cyclisme féminin. C'est fragile parce que c'est un peu une pyramide à l'envers, hein, tout simplement, et on manque de masse. Mais en même temps, on a des bonnes nouvelles. Quand on regarde nos statistiques, depuis deux ans, alors que ce n'est pas forcément le cas chez les hommes, on augmente de 6 et cette année de près de 8% nos effectifs féminins. Ça veut dire que des épreuves comme celle-ci, bien sûr le Tour de France féminin, et Michel avait raison de dire tout à l'heure qu'il y a une aspiration au milieu de tout ça, ben voilà, ça se traduit dans la pratique. Ça se traduit dans la pratique. Alors, on part de loin, il faut un petit peu de temps, mais ça, c'est quelque chose qui devient concret et qui ne peut exister que parce que se mettent en place des épreuves comme celle-ci. Et Christelle le disait aussi tout à l'heure, on a besoin de diversité chez les femmes comme chez les hommes. Là, on a une épreuve qui se distingue de toutes les autres sur une course d'un jour en montagne, une classique de montagne. Et moi, j'ai aucun doute sur le fait que cette course-là, elle a sans doute un très grand avenir dans le paysage du cyclisme féminin, comme une classique de référence du cyclisme féminin en montagne. Et puis, je le disais tout à l'heure, pour l'épreuve des hommes, sur ces 5 journées de course, une diversité là aussi sportive importante. On a eu le descriptif avec du plat, de la montagne, de la vraie montagne. Là, pour le coup, la dernière étape, c'est vraiment de la montagne. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui permet dans cette dynamique de formation là, de très haut niveau, hein, évidemment, mais qui permet à une diversité de coureurs importante de s'exprimer. Donc vraiment un grand bravo. Et puis c'est complété par des initiatives, j'allais dire les initiatives du cœur, mais ces maillots bénévoles, ben voilà, c'est le reflet aussi de cette grande famille qu'on a toujours trouvée autour de Michel, de toute son équipe, avec cette richesse d'un bénévolat qui a toujours été dense et qui reste dense, ce qui n'est pas simple.
quand même, de le faire vivre sur la durée. Et je pense que si c'est le cas, bah, c'est parce que tout le monde est heureux de participer à cette aventure-là, de t'entourer, Michel, et puis le jour J, ou les jours J, parce qu'il y en a quelques-uns maintenant, et bien, d'être sur le terrain pour apporter sa contribution. Donc merci à tous ceux d'entre vous, j'imagine qu'il y en a beaucoup ici, qui donnaient de votre temps pour notre sport, pour le cyclisme. C'est un sport qui le mérite. Et je ferai un dernier petit mot là-dessus, parce que ça a été repris par beaucoup d'élus, et ça me fait plaisir. C'est un sport qui a du sens autrement que par le sport. Il a du sens parce qu'il se fait sur un vélo, et qu'aujourd'hui, on voit bien que le vélo, c'est sans doute un des moyens, un des leviers importants pour transformer notre société sur un certain nombre de points, et notamment sur celui de la mobilité. Donc ces traits d'union, c'est aussi le modernisme de ton organisation, Michel, de savoir les dresser, les tirer, et je peux moi que m'en réjouir. Donc un grand, grand bravo à vous toutes et vous tous. Un grand bravo à toi, Michel, pour la continuité dans l'effort et puis dans l'abnégation, parce qu'il faut mobiliser les budgets. Ce n'est pas simple quand même. Il faut mobiliser tout le travail à accomplir. Donc bravo, un grand bravo. Et je me réjouis de ces trois superbes éditions qui sont juste devant vous dans quelques semaines. Merci encore. Bravo. Merci, cher Michel Callot. Merci, monsieur le président de la Fédération française. On va redonner le micro à Michel, qui, à son tour, je crois, a quelques remerciements à formuler de manière bien légitime. Quel beau plateau aussi d'invités d'honneur hein, ce soir. Hein, ah, c'est une très, très belle surprise que Michel nous a faite. Il a, d'un point de vue temps, tellement chargé qu'on n'osait même pas espérer qu'il puisse être avec nous. C'est une marque de reconnaissance pour... Ouais, on a compris. On a compris. T'en dis pas plus, on a compris. Pour tous ces gens qui sont à côté de nous, qui nous aident, le déplacement du président, il n'est pas anodin. Donc, merci Michel. Voilà. C'est aussi pour ça que Michel voulait être là. Il savait très bien. Oui, Martine. Juste, je voulais remercier notre collègue du Rhône de ne pas nous en vouloir d'avoir enlevé Rhône. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais il n'est pas rancunier, il me l'a dit. Pas du tout, pas du tout. Ah, c'est un ancien dauphinois. D'accord. Je disais, on est prêt à vous annexer à nouveau, hein, s'il faut. C'est, hein. C'est le plus dauphinois des Rhodaniens, ce qu'on disait tout à l'heure. On peut les récupérer dans l'Isère, hein, ouais. S'ils sont malheureux où ils sont. Hein. Bien, Michel, le mot de la fin, oui. FIN, et le mot de la fin, FAIM aussi. Parce excusez-moi l'émotion, mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on a passé un bon moment. Je sais qu'on a été un peu long, mais c'est difficile de présenter trois épreuves comme ça et de le faire à la va-vite. Toutes méritent le même support et le même entrain. On s'y attache, donc forcément c'est un petit peu long et on est dotés de nous avoir imposé ça. 1h50. Il y a pire. On avait dit 1h45, donc on n'est pas si mal que ça. On n'est pas. Trois épreuves, ouais, quand même. Et heureusement qu'on les fait parler. C'est pour ça que vous nous excusez de vous faire parler par interview, que sinon on serait encore là jusqu'à demain matin. Hein. Ouais. Connaissant bah nos oui, élus. C'est vrai. Ça risquait fort de durer un peu. Voilà. Merci. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on va terminer ça comme on termine toutes les fêtes de l'Alpizière Tour, du Cotny et de toutes les épreuves qu'on organise. C'est qu'on va partager le petit verre de l'amitié, le petit cocktail qui va bien, et on va pouvoir poursuivre ce petit moment-là le temps qu'on veut. Et ça, c'est le moment important. Voilà, je voudrais remercier toute l'équipe technique, nos amis de Black Hole, toute la régie du Médian. Merci, les amis. Voilà, mesdames, messieurs, maintenant, au nom des organisateurs, je vous invite, c'est pas moi qui paye, c'est facile, je vous invite donc au verre de l'amitié qui se passe juste à côté, vous avez sans doute l'habitude de ce lieu. Merci encore et rendez-vous en mai, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Bon retour ensuite chez vous, soyez prudents, la route est parfois dangereuse. Merci beaucoup. Alors, tous les élus peuvent aussi venir faire une petite photo devant le panneau du parcours qui les concerne, de façon à garder le petit souvenir après. Reprise et on suivra l'ensemble des coureurs et la préparation d'un éventuel sprint, ce sprint qui est doyable. Effectivement, et ce sont bien les couleurs de Metex Laroite que l'on retrouve aux avant-postes avec Yann Follet. Junior. Et encore une aux avant-postes, il tire. Et peut-être également on remonte, ce sera point. Et avec également 6 points qui ont été cherchés dans la Côte d'Espagne. Les meilleurs coureurs de l'autorité, la nervosité que l'on a ressentie. Toujours libre et peut-être tu pourras courir. L'équipage est misère. Si vous voulez laisser passer,